Bonsoir, quel ok? Ça passe. Quel ok? Ça a fait. Frère Mac, vous salez tout le temps. Allez. Jonathan du village. Guerrier Bossal. Bossal tout le temps. C'est pas Jésus-Christ, il va bon. À la gousse. Saluez-nous, red. Périssique, David. Saluez-nous. Comment nous? Na Joseph. Saluez-nous. Oh yes. Salutations à nous tous. J.D. Haïtien jusqu'à l'héroïde. Saluez-nous, Redouille là. Pour le frapper fort. McLaughlin. Good morning. Ah oui, pas gêner ses les bras. Ah oui. Belle bagarre, saluez-nous, bonjour à tout le monde. Saluez-nous. Comment nous y est, saluez-nous, son plaisir, nous m'adonnons là. Saluez-nous toutes. Oui, allez. Gilda. Kiwi. Bonjour Gilda. Bon saluez-nous. On pile l'amour pour nous. Ah oui, on pile l'amour pour nous. Comment nous y est matin? Comment nous lever? Bon bagage. Nolia de Cyril, bon saluez-nous. Milito Cristino. Bon bagage, respectez-vous nous. Bon, saluez-nous toutes. Thunder One. Bon salut tout le temps. Bon, saluez-nous. Appelez l'amour pour nous. Comment nous y est, petit monsieur? Comment nous y est, bossa les yeux? Mathieu Valcourt, salutations. Bon bagaille. Salut. Bonjour Gerda. Bonjour Liné, Balthazar. Bonjour. Bon bagaille. Saluez-nous. C'est un plaisir avec nous matin là. Nous allons passer un petit moment ensemble. Ouais. Élisée, je salue. Ah oui, Fritz Bernard. All right. Et salutations à tout le monde. Moi, c'est un plaisir pour m'avoir nous matin là. Et je dis à là. Et normalement, depuis quelques temps, nous n'avons pas vraiment actifs sur les réseaux sociaux. Et j'ai des raisons et personnelles qui expliquent que raison qui fait pas vraiment. Et moi, salut à Belondi, Telo, qui fait que nous parlons sur les réseaux sociaux en quelque sorte. Et j'ai pris pour un petit temps. Recul. Mais cependant, toujours, à petit poste, moi, m'a suivi de près l'actualité. Nous connaissons qui ça qui fait actualité au cours de
week-end ça qui se passe là, nous connaissons qui ça qui fait actualité, c'est marche et souffle pour Haïti, hein, que Bishop et Grégory Toussaint qui fait, Jean Otewella, et c'est lui-même en quelque sorte qui domine l'actualité en dedans pays. Et dans la communauté haïtienne de façon particulière. Maintenant, mes chers amis, gen moun ki pou, gen moun ki kontre, gen moun ki trouve que c'est démagogie, gen moun ki estime que en quelque sorte un pile commentaire, un pile remarque virulent qu'a fait, écoutez, et puis nous voyons que communauté protestante là vraiment à la défensive. Alors, faut nous d'accord sur ça. Nous remarquons que la communauté protestante est vraiment campée sur la défensive, avec une force, une énergie, une dynamique, en quelque sorte, pour y apporter soutien, yo, avec, pasteur Grégory, bishop Grégory Toussaint, qui, en quelque sorte, est bouleversé la communauté haïtienne, avec Massa, et surtout les il fait connait que l'ira c'est massa a coûté lui $1 million et à peu près plus passé $1 million pour y être organisé lui mayo si c'est là. Bon, écoutez, et grand pile réseaux sociaux a agité, réseaux sociaux a tellement agité, comprendre, il y a des monde qui peut parler, il y a des monde qui peut prendre position, il y a des monde qui peut dire, il y a des monde qui même là qui maintenant il faut remarquer que et à ce niveau-là, yon nan bagay m'ap toujours dit, il faut être toujours serviteur de la vérité. Maintenant, nous sommes société, et à cause de carence en matière d'éducation, et de formation, de connaissance, nous venons exposer avec toute forme de manipulation. Yon société côté 90%. Moun en dedans société a pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Maintenant, et puis, ajouter avec misère et souffrance, calamité, insécurité que société a confronté, communauté haïtienne. Non, c'est normal pour nous joindre que, et situation ça vient crier et vient fragiliser communauté. Et communauté, en quelque sorte, a cherché refuge de plus souvent. C'est soit a cherché refuge à travers des politiciens ou bien yotouneyo et vers des hommes de Dieu pour qu'ils rejoignent le secours divin qui venait de dans la situation. Maintenant, il faut comprendre que l'enjeu ici est de taille. Pour quelle raison? C'est parce que, en quelque sorte, le peuple haïtien aujourd'hui a cherché un sauveur. Il a besoin d'un sauveur qui pouvait mettre au dehors dans la situation où il est là. Et il a remarqué depuis quelques temps, de 1986 à nos jours, la classe politique traditionnelle échoué, le régime politique échoué. Maintenant, il y a besoin d'un sauveur et l'Assemblée, il a commencé à sauver là, dans le monde, dans le secteur évangélique là, surtout, et pasteur Grégory. Maintenant, maintenant, est-ce que il marche ça, il était fait dans un contexte qui favorable, surtout il y a parlé de élections dans le pays d'Haïti et notamment c'est priorité les États-Unis, surtout on a regardé bien que les États-Unis a sanctionné un paquet de classe politique qui sous terrain là et n'ego il y a un nettoyage qu'a fait. Maintenant il a posé un peu le monde a posé cette question, qu'a demandé est-ce que en quelque sorte pasteur Grégory, bishop Grégory, c'est pas un joueur américain qui est souterrain, qui a préparé pour y aller dans l'élection. Bon, écoutez, son droit qu'il gagne, si son citoyen y est, maintenant, est-ce que, bon, test du tir que l'américain fait avec monsieur, pour voir s'il était capable de pousser monsieur, pour pousser monsieur au rang des candidats, pour être capable de venir poser candidat comme à la présidence. Maintenant, est-ce que ça t'a pas un problème? Bah ouais, ça t'a pas un problème. Pour quelle raison? Parce que son citoyen, maintenant, si Negla remplit les conditions requises par la constitution du pays, c'est normal, il est capable de poser candidat, ok, pour lui, le président, moi, m'a raison, big deal, ça y est. Maintenant, si nous remarquons bien, j'ai pour me faire des postes qui sont extrêmement virulents vis-à-vis de cette marche. Maintenant, pour moi qui dit que moi, j'ai un problème avec la personne, j'ai aucun problème avec le type. J'ai pas aucun problème avec le type. Maintenant, je dois
moi-même son m'ba c'est ou à l'école cultiver l'esprit critique, c'est normal. Oui, nous toujours penser que le fait qu'on critique son problème, son problème lié, c'est pays sous-développé seulement, il faut comprendre que le monde pas critiquer. C'est peut-être ça, vous parlez de liberté de, d'expression, liberté d'opinion, liberté de pensée. La pensée, en quelque sorte, est de nature critique et constructive. Maintenant, Aléal dit que, ok, ou pas de critiquer parce qu'on perd popularité, ou perd monde pour monde, pas venir porter Boris sur ou pour monde. Non, écoutez, on a toujours joué ça parce que, en quelque sorte, l'art de critiquer, il est réservé à quelques, à une minorité, à une élite, n'est qui cultivé et qui abonné ou qui s'adonné avec question qui a rapport à la pensée. Et pour penser, il faut critiquer, il faut s'interroger, il faut questionner l'ordre des choses. Maintenant, pour capable permettre d'arriver avec une compréhension, on prend pas en surface, non, mais une compréhension approfondie et globale de la réalité. Si un phénomène passé en dedans, société, dans la communauté haïtienne, dans l'échec communauté haïtienne, non, c'est normal pour prendre des reculs. En tant qu'un monde qui a avisé, un citoyen a avisé, ou prend recul, ou a questionné, ou a interrogé, ou pas pour te bourrer, même avec full monde, tant qu'un monde, qu'a pris les amours, visé, si c'est là, qu'a fait macaque. Maintenant, écoutez, ou même ou prend recul, maintenant, ou a questionné l'intention, ou a questionné méthode, méthodologie, ou a questionné des machins, ou a questionné et véracité, ça qui fait là, c'est-à-dire son utilité pour la communauté, ou a questionné, en termes de retombée, et pour société haïtienne, là, qui ça lui apporte de positif, c'est travail, c'est peut-être ça à l'école. Et vous êtes sur chita souvent l'école, oui, pour apprendre ça. L'esprit critique, cultiver, l'esprit critique. Cultiver, pour questionner, pour interroger sur les événements. Ah, qui était mon capitaine dans le monde, capitaine, on pensait que mon bagage fait tout, mais mon obligé de courir dire amen, non. C'est pas, ou, c'est mon ouè qui dit amen, les problématiques. Les problématiques. Ou pas dire amen. Ou pas dire amen. Raison qu'il faut pas dire amen, parce que démarche là, l'inscrit, n'ayons dynamique, de responsabilité citoyenne. Démarche là inscrit dans dynamique de sensibilisation, OK, citoyenne sur la réalité d'Haïti. Ou pas dire nous n'a pour me dire amen. Non, écoutez, on ne gère la gestion de la cité, c'est pas avec amen béni soit l'Éternel on gère la cité. On gère la cité avec la raison, le bon sens. C'est pour ça la gestion de la cité est l'affaire des élites, des hommes avisés, éclairés. Pas venir paraître oui au fou le monde bou et beaucoup pour l'embrasser et oui c'est pasteur et bishop là qui fait et puis poté bourré et puis tout le monde sait oui fait même jolou fait si c'est là oui accepter c'est quoi cette bêtise là qui monte n'a vivre dans 21e siècle ça monde parce que c'est pasteur c'est secteur protestant monde poté bourré et puis pour courir fait même bouchou non qui problème ou bien avec ça il faut critiquer au contraire il faut encourager critique. Faut nous, ou pas capable critiquer lorsque son leader ou y est. Ou pas capable critique. Comment on veut, qui ça? C'est Saint-Esprit. Même Jésus a critiqué, même bon Dieu dans le ciel là, je ne des critiques virulents. Qu'on y a, oui, c'est un problème, c'est jalousie, c'est aigri, comme si nous pensions tout le monde, c'est imbécile, on a le zombie pour porter tête, yo, juste applaudir, sans encore, y'a pas questionner, y'a pas interroger. Nous pensons tout le monde, c'est idiot. Même j'ai avec nous, cap couri bat bravo, nan vous moun fou, nous voulons tout moun pral marcher poté bourré parce que nous gogou, nous besoin rive. Non, pas de caca comme ça. C'est peut-être ça nous dans l'état ça, oui. Relève ou vivre, oui, relève vivre, relève à bas, nous voulons tout moun entrer dans des images ça. Non. Non. Nous même, en quelque sorte, surtout si c'est beau salouye, ok, ou inscrit tête ou non dynamique de critique, ou à critiquer, ou à interroger, ou à questionner. Ou à questionner utilité bagala, ou à questionner véracité, ou à questionner est-ce que, et temporalité, pour qu'il y ait un contexte salifel, ou à questionner bien fond délit, ou à questionner l'intention de l'auteur, est normal pour questionner. Maintenant, pour qu'il y ait une vision, on prend global, intégré du phénomène. Ah oui, 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 ok, problème, pas c'était Grégo, 15. Ah, pas c'est Grégo, c'est ça, fait politique, on fait politique. Maintenant, on va commencer avec nous, parce que la vérité, j'aime dire, dis-nous, la vérité, elle est dure. C'est pour ça, c'est le mensonge qui attire la foule. La foule est toujours attirée par le mensonge, par les intérêts. Et où est foule,
Koto wè foule en quelque sorte, puis go penser que bon bagay positif qui ka sorti dans foule. Non. Parce que koto wè de foule toujours go énergie en quelque sorte qui toujours c'est ça fait c'est élite qui toujours dirige pays. C'est moun qui gen accès à connaissance, à des savoirs qui toujours dirige gouverner pays. Ou pas qu'à la gon pays ba on foule, ou pas qu'à quitter on foule décider masse. Décidé, ça c'est bêtise. Et c'est ça que nous dans l'état nous y est là. Ouais, y'a fait nous là. Maintenant, y'a moun qui dit, oh oui, moi-même, j'en ai, non, bah oui, dans ce, moi-même, pas marcher des foules. Ma couille bat bravo, dans le monde imbécile, parce que moi, couille bat bravo, oh oui, parce que, qu'est-ce que tu fais, moi-même, ma couille bat bravo, marcher des necks, c'est ici là. Nous, c'est comme si c'est un dalle imbécile, même, j'avais mieux, nous y est comme une balle couille. Non, pas du caca comme ça. À notre cœur où t'es pasteur, où t'es prêtre. À notre cœur, ou t'es pasteur, ou t'es prêtre, ou t'es politicien, ou t'es ceci. Dès pour impliquer nos événements, ou doit faire l'objet de critiques. Ou doit faire l'objet de critiques depuis son personnalité publique, ou doit faire l'objet de critiques. Et faut pas avoir un problème du verre critique. Faut pas avoir un problème du verre critique. Parce que ou impliquer dans l'affaire pays, ou pas avoir un problème du critique. Maintenant, ouais, toute masse là pour te bourrer, comme si on attend pour tout le monde applaudit, pour tout le monde applaudit, pour que les gens vont attendre. On va obliger à attendre tout le monde applaudit. Tout le monde va obliger, d'accord? Tout le monde va obliger, d'accord? Maintenant, on va entrer en profondeur avec nous. Parce que Grégory qui doit animer de bonnes intentions. Parce que, en réalité, parce que Grégory sont haïtiens, même avec tout le monde. Nous tous, c'est haïtiens. Nous, c'est haïtiens, parce que Grégory, c'est haïtien. Ou pas gagner le fait que, s'il sentit, il concernait au premier lieu, par les problèmes pays. Ou pas gagner problème à ça. Ou pas gagner problème du fait que monsieur exprimé, lui, par rapport à un pays à marcher. Son droit le gagner. Ou pas gagner problème à ça. Soit haïtien, ou pas qu'à doupi haïtien, passe pasteur Grégory, nous pas qu'à doupi, c'est on doit gagner en tant qu'haïtien. Si j'en paye à y'a là, c'est ça le cas fait. Il fait, est-ce que m'a fait nègre la procès d'intention pour ça? Non, je ne suis pas mal en démarche pour me faire nègre la procès d'intention. Maintenant, je peux questionner la démarche. M'a capable de questionner la démarche. M'a pas fait procès d'intention. Est-ce que m'a dans l'esprit nègre la pour me qui ça t'a traversé, qui intention? Non, m'a là pour me faire mon procès d'intention. Même qu'à questionner des marches là, m'a gardé des pieds fondés, l'utilité, est-ce que ça qu'a fait là, est-ce que c'est dans le moment ça, pour qui raison le fait dans le moment ça. Maintenant, bon, ensemble de questions pertinentes, il faut se poser, et puis, on va demander telle question ça, à partir de l'ensemble de données qu'on relevait, on fait analyse, et puis, à partir de l'analyse ça, on doit tirer conclusion pour. Qui était conclusion pour. Maintenant, il faut rester le plus objectif possible. Maintenant, mes problèmes qui viennent. En tant que yon bishop, yon pasteur, est-ce que monsieur doit impliquer et concerné dans les affaires du pays? Oui. Parce qu'il est aussi un citoyen. Mais de qui ça, monsieur Guénan mène? Son l'église liée. Il y a une congrégation. Qui ça, Guénan mène? Il y a un ensemble de monde, ok, qui suivent lui, ok, en tant que pasteur, en tant que bishop, c'est monde ça a gagné. Ok, c'est moun sa yo gagné. C'est eux même pour le mobiliser. Parce que c'est moun sa yo, en quelque sorte, qui fait l'on minimum de confiance. Maintenant, est-ce que qu'on y a, les capables de mobiliser ce moun sa yo, pour capable impliquer davantage, en matière de responsabilité citoyenne, en matière de, d'engagement citoyen dans la société haïtienne, non? Oui, c'est tout à fait normal. C'est un droit. C'est normal parce que moun yo c'est haïtien, oui. En tant que haïtien, on paye à effondrer, on paye à craser. C'est normal pour monsieur, sensibiliser Mounio, pour le rappeler. Maintenant, l'enjeu ici est de taille. Et c'est là, le problème de commencer. Des mouns qui a demandé, est-ce que pas de bon l'autre forme d'action t'es qu'à poser? Par exemple, construire l'école. Par exemple, construire l'université. C'est-à-dire des actions sociales. Est-ce que ma réaction sociale, en quelque sorte, que monsieur était capable de faire, qui était capable plus utile? Oui, ce sont des questions d'ordre utilitaire, qui était capable plus utile société, à. Au lieu de prendre 1 million de dollars, là, il dit, non, marche, non, c'est le jour,
ok, qui pas vraiment impacté société A, c'est-à-dire sur le plan positif, en termes de retombées sociales et économiques. Bon, ça, est-ce que nous capables de dire, ok, là encore, ou capables de position mitigée, mitigée dans la mesure où, ou pas qu'on est après, ok, est-ce que monsieur parle impliquer davantage dans des actions sociales? Est-ce que Tabernacle de Gloire parle impliquer davantage dans des actions sociales? Construit des écoles, des universités, des hôpitaux pour accompagner jeunesse, accompagner société, de jeunes, et puis permettre à ce que yo pas tomber dans ces des bagailles. Oui, mais il faut, en ce sens, m'pas qu'à courir condamner monsieur dans la mesure où, il relève de la responsabilité de l'État pour engager, pour faire travailler. Maintenant, est-ce que maintenant, si Negali même la langage, sur le plan social, sur le plan et pour les démons, maintenant, est-ce que si lui même, il a une ambition pour le venir diriger le pays, pour le une ambition pour le venir poser candidat, est-ce qu'on a refusé le droit ça, ou pas capable? Ou pas capable de refuser le droit ça? Maintenant, avec propre l'argent, lui, propre l'argent, m'a oublié, il doit, ok, faire des actions. Maintenant, est-ce que, ou capable de dire, mais ça, le doit faire? Est-ce qu'on peut faire injonction sous lui pour dire non, l'argent ça, un million de dollars ça, il devrait faire l'école, un million de dollars ça, il devrait faire ceci, il devrait... Oui, c'est vrai, mais on va pas faire l'injonction. On va imposer, c'est lui-même, en quelque sorte, qui vous connaît, qui s'accable mon boulot, qui intérêt, la faire. Si l'église va avoir nécessité, dans un moment, pour construire l'université, pour construire l'école, pour construire, centre de santé, pour aider jeunesse, ça c'est lui-même. Si loi dans moment là c'est marche pour le faire. Et si loi dans moment ça c'est marche pour le faire, c'est mobiliser moun dans tout le monde en quelque sorte. Oui, il doit retomber pour lui-même. Parce que il testait popularité. Ça veut montrer que dans la communauté haïtienne en quelque sorte, il y a une voix, il y a une écoute. Oui, son poids politique lié parce que il y a moun qui attendait. Maintenant, est-ce que c'est ça de supposé fait? Ça m'a pas placé pour me juger, ça le déposer, ouais. Maintenant, j'ai un problème avec démarche, monsieur. Un m'a dit, pas de problème à personne, pas de problème à démarche. Moi, je montre pour que raison que problème à démarche, monsieur. Et t'as bien ça m'a dit là. Les dons de l'Esprit de Dieu, le pastorat de façon particulière, l'était donné à l'Église. Écoutez bien, ça me le dit là. Le pastorat, c'est un don spirituel que l'Esprit de Dieu bâille l'Église pour l'édification commune, dans un but précis pour l'édification commune. Maintenant, quand vous êtes pasteur, ok? Quand vous êtes pasteur, donc ça, c'est pour l'église grandie. C'est pour ça dont destiné. Il n'y a pas bon don pour instrumentaliser à des fins politiques. Le don du pastorat n'a pas été accordé à l'église. Ok, pour des faits politiques. Yo baili, l'Esprit de Dieu accordé don ça, option ça, pour l'édification de l'Église, l'édification commune de l'Église. Maintenant, capitaliser sur ce don spirituel, à des faits politiques. Là, il est problématique. Il est très problématique. Et, je vais montrer nous raison qui fait le problématique. L'option, en quelque sorte, attire le peuple. Pas une option, en quelque sorte, que l'esprit bail qui va attirer popularité. Et c'est ça que fait Jésus, c'est toujours des full moon qui a suivi. Mais il faut être prudent. L'élection, ça a attiré foule d'ailleurs, faut prudent pour pas tomber dans le piège du malin. Qui ça me l'a dit, voilà? La popularité que l'option en bas où,
attirer moun sou, faut faire très attention pour pas tomber dans piège diable. Pour qui raison? Parce que ou ka tomber dans compromission avec les principes du royaume des cieux. Ça me dit là, ou ka tomber dans compromission bien entendu avec les principes du royaume côté que ou pral trouver nos difficultés ou tellement ou popularité a augmenté ou vin a fait compromission avec la vérité. Ou vin a fait compromission avec la justice, ou vin a fait compromission avec les principes spirituels pour qui raison parce qu'on perdu popularité. C'est le piège en quelque sorte que majorité pasteur, majorité prophète, majorité n'écrit les têtes yo homme de Dieu tombé là-dedans. Pour qui raison? Parce que là où la popularité envahit yo, yo toujours ont tendance à faire des compromis sur les principes spirituels qui servent comme boussole avec onction. Onction où recevoir les chita sur des principes. Parce que onction, hein, les sortis en l'air. Les dons de l'esprit, les sortis en l'air, les pas sortis en bas, les sortis en haut. Et en tant que racine, c'est dans le royaume des cieux que le sortit, il faut que, ou toujours en harmonie avec les principes divins, les principes du royaume de Dieu, de façon à ce que pour pas tomber dans compromis, pour pas laisser ou emporter par les désirs, les passions de la foule, et puis pour faire des compromis. Les passions de la foule pour faire des compromis à cause ou est popularité ou piégé parce qu'on pensait popularité ça mounio c'est ou même yo remet c'est le piège que au paquet pasteur tombe la donne parce que yo confond les peuples à vini junior les popularités yo a vini yo pensait c'est eux même qui gagne c'est eux même yo ouais depuis tant c'est l'option qui attire le peuple là yo confond ça et peuple après le piégé yo. Le peuple a commencé à faire comprendre. Mon cher, c'est où même, moi, mais, c'est parce que ça, c'est ci, parce que ça, c'est là, bon, pasteur. Parce que le peuple n'a pas lucidité, ni le discernement spirituel pour faire la différence entre l'onction, c'est-à-dire la présence de l'Esprit de Dieu dans le pasteur et le don spirituel dans l'homme de Dieu et l'homme, la personne même. Il y a pas tout. Peuple a pas de discernement, ça. Il a attribué des qualificatifs. Il a attribué des bienfaits qui seulement adressés à Dieu, il a attribué avec l'homme. Après, mon, yo commence à vénérer pasteur, oh, pasteur Grégory, pasteur ceci, moi, j'aime pasteur Grégory, moi, j'aime, ou pas dans le paquet, mon, sur les réseaux sociaux, là, oh, c'est pasteur allié tonton, ça, c'est le fanatisme. Et y a piège, oui, pasteur, oh, ça, qu'est-ce qu'il y a, il y a le sauté comme ça, ça, que, non, je, bon, ça, c'est bagaille polémique, oh, ça, qu'est-ce qu'il y a, il y a le sauté comme ça, oh, oh, ça, c'est, non. Et si nous remarquons bien, protestants ont toujours aimé faire zin. Protestants ont toujours aimé nan bouizin, retirer point. Protestants c'est un nan bagay qui pi, qui cap craser l'église protestante. Tellement ou remè tirer point. Oh, ça va te verre, c'est li wap, ouais. Oh oui, ça va te verre, c'est li wap, yeah. Oh, c'est li lié tonton. Oui, parce que, protestants toujours nan bouizin. C'est manque de formation, manque d'éducation, manque d'enseignement qui fait protestants toujours nan tirer point. Protestants pas jamb pas tirer point. Oh, ça y'a pas de vle, ouais, c'est lié, ouais, oui, bon Dieu passé avec lié ton temps, what the fuck? Eh ben, ça, on va venir faire, non? L'évangile va voir les protestants pour venir tirer point, non? Oui, moi-même, j'ai pas de vle, ouais, non? Et quand ça l'a pied ton temps, c'est le, mon Dieu, et de me dire amen, Marie, on va pas de vle, hein? C'est lui, on va gagner, y'a toujours gagné au monde qui va vle, on gagner. Marie, on va pas de vle, gagner, hein? C'est lui, même, on va gagner, oh oui, but what the heck? Ou pas qu'à prêcher les, pour virer, retourner, c'est dans tirer point, ou chita. Ou toujours là, dans tirer point. Ou pas dans tirer point. Ça pas de l'air, ouais. Et lui, ouais, c'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise?
c'est lié, tonton. On a volé sous tête, yo. Jésus va voler sous tête, moun. On a volé sous tête, yo. Oh oui, on a passé sous tête, yo. Qui compte dans l'évangile? Jésus te voit, on a passé sous tête, moun. Oh oui, on a passé sous tête, yo. Oh oui, on a volé sous tête. Qui compte, il te dit ça? Eh, non, yo, on va le gagner, oui. Yo va voir voler sous tête moun, n'a bon sou yo, n'a c'est quoi cette bêtise? C'est manque d'éducation, manque d'enseignement. Yo manque enseignement bien. C'est à toi entrer dans des masses, ou manque recevoir enseignement. Yo pas à l'aise, parce que l'évangile, tout autant l'évangile pas bon de manger zon, pourquoi pourtant de l'évangile non? Eh, dans le monde fou. Gaz! Depuis l'évangile, pas bon de manger zon, pour repentir, pour changer fils ou d'épaule, ou pourquoi attendre l'évangile? Et bien l'évangile, vous attendez. Sur l'évangile, vous voulez pour tété, vous attendez. Et l'évangile, vous voulez pour tété, vous attendez. Comment vous voulez, pour prêcher l'évangile, pour mon capitaine de là, li à l'aise, gon bagay qui ronde. Moun pa kap tande l'évangile pour la lèse, menti. Parce que l'évangile s'adresse aux pécheurs. Yon pécheur pa kap tande l'évangile pour la lèse. Fal gen démangeaison. Fal senti le besoin changer. Fal senti que ville pa normal, pas fonctionner bien. Fal senti que gon bagay ki wong la kaili. Libe, de pou ou fin prêcher l'évangile. En dedans ou assemblé. Ou est mon appelé, verrez les hommes, après les levez-vous, connaissez-vous d'autres cafés. D'autres cafés. De pour prêcher l'évangile vrai, et pour l'église en fret. C'est pour tout le monde tomber dans une profonde réflexion, en profonde méditation, faire une introspection dans la vie. Est-ce que vivre en conformité avec ça me sortant de là? L'évangile, ça me sortant de là. Est-ce que la vie en conformité avec elle? Est-ce que l'évangile, lui? Ah, je suis là, oui, petit, tout tapement de mon Dieu, bras, je ni, oui, travail, tout tapement de mon Dieu, bras, je ni, oui, caillou, tapement de mon Dieu, allez, ça va passer, vous va jouer ni, oui, béni soit l'éternel, vous ne pas, ça pas de blanc, embrasser, oh, va passer sous yo, au nom de, qui est de l'évangile, Dieu, le bon, qui est ça? Qui est de l'évangile, bullshit, ça? On a l'évangile, pépé. Ah, l'évangile pépé, sous qui base? Sous qui base ou pas l'évangile ça? Sous l'évangile pépé lié. L'évangile là pour gagner des âmes. L'évangile là pour permettre au monde pour changer fusil d'épaule. Pour l'embrasser. Jésus-Christ comme sauveur. Personnellement, l'évangile parle là pour mon ménage. Ah oui, bouillisin, oui, voyez point, on est dans l'église. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Oh oui, bon Dieu a passé à même. Oh oui, ça ou pas de ouais, c'est lié ouais. Oh oui, bon Dieu va me la paix avant. C'est quoi? Ou on est dans l'église pour un micro, non men, oh oui, mes amis, Eden dit béni soit coup de l'éternel, Eden dit béni soit l'éternel, oh oui, mes amis, moi j'ai un voisin de taper des versets qui t'aimerait, moi j'ai un voisin, Eden prier, vas-y ça, bon diable, bon la paix à elle, bon diable, Jésus capable, Jésus a bon la paix à voisin ça, Jésus, voisin ça, papa, moi pralé nan, moi pralé l'enterrement voisin, comment pralé l'enterrement voisin, ça veut dire l'amour rendez-vous voisin, oui. Et mon l'évangile t'est en bas, bah, moun fou ça. Jésus dit, priez même pour moun qui raille ou. Priez même pour ennemi ou. Jésus dit, mandé bien, même pour moun, même pour voisin qui a persécuté là. Jésus dit, priez pour lui. Ou rivendez dans l'église, ou a demandé bon Dieu pour le casser coup voisin. Ou a demandé bon Dieu, oui, casser coup voisin. Ah oui, bon Dieu, bon là, bon Dieu, bon répoir voisin. Ça veut dire. C'est bon Dieu qui te voisin même avant mettre des mouns d'or, oui. C'est bon Dieu qui te met voisin même pour le tacler ou, pour le taper ou, pour le foutre le bâton dans mon d'or, pour le soit mandé l'amour pour voisin ou bien est-ce qu'on prie pour bon Dieu changer la vie voisin. Qui est pas pour le faire dans la vie voisin? Ou va qu'on moun a persécuté ou, pour venir dans l'église, on va lire 27 sommes, on va lire 30 sommes, on va lire 4 sommes dans le monde d'avoiser ça, dans le monde d'avoir ça qui a persécuté. Ouais, non, puis on vient tirer. Eh ben, malfaiteur, on vient régler, c'est magie, on vient fonder dans l'église.
C'est magie. Ou vin fait en dedans l'église. Ou pas vin devant mon Dieu. Comment faire vin devant mon Dieu avec un voisin dans cœur pour mander l'amour pour voisin? Mon Dieu, tout souge problème à un monde. Allez résoudre le problème dans un monde d'abord et puis vin devant l'hôtel là. Ou même ou vin devant l'hôtel là pour mander mon Dieu pour le casser cou moun nan. Ou vin devant l'hôtel là pour mander mon Dieu pour le tuer voisin. Son méchant, yé? Son méchant qui habillé en moun, en chrétien? Moun nan entrende dans l'église? Li vin ba un témoignage? Voisin le mouri. Bon, te bon voisin qui t'a bon mède, voisin en mouri. Bon Dieu, bon la paix. Bon Dieu, bon la paix, criminel. Son criminel ou yande dans l'église? Ou assassin ou yé? Pour qui raison? Ou t'es supposé vin ba un témoignage pour dire, voisin ça te qu'on a bon mède, bon Dieu fait le converti? Bon Dieu fait le convertir, bon Dieu changer la vie, li qu'on y a le chrétien. C'est ça, oui, témoignage. C'est peut-être ça, oui, Jésus a appelé pour qu'à témoin, pour qu'à amener l'évangile, gagner des âmes. Mais on y a tellement recevoir mauvais enseignements, y a pas recevoir bons enseignements, y a tombé dans zindé dans l'église, fait bris, fait un paquet de palampile, fait macaque, t'as fort, on a ça. Maintenant, moi, font-ils parler avec nous sur, va faire une analyse avec nous sur pasteur Grégory. Si nous regardons bien, ça c'est pasteur Grégory qui a fait une intervention. Va montrer nous bien pour nous comprendre que et il y a un piège là. Va faire nous dans des messieurs. Prêtez attention. On va obliger d'accord. On va obliger d'accord, même mando ouvri intelligence et l'esprit de discernement pour tendre. On va faire nous tendre, monsieur, qu'a parlé pour souffre pour Haïti. Mes chers amis, tendez bien. Lorsqu'il y a une option la caillou pour l'édification de l'église, debout déroute à option, moun qui gagne lucidité spirituelle, clairvoyance spirituelle après ou déroute. Et si au monde pas gagné suffisamment de clairvoyance spirituelle pour le dire déouté qu'on est que moun ça li pa vle béni li pa vle sauvé mal montrer nous côté monsieur déouté tendez bien Alors, sous-tendez là bien, premier réflexe, ou a dit ça, monsieur, dit, sonnez bien. C'est la problème, vous comprenez? Effectivement, un sénateur, un député, un ministre, un président, c'est supposé papa, une nation. Maintenant, où elle sonnez bien? C'est ça qui va faire différence entre l'orgue discernement spirituel. Donc, il y a clairvoyance spirituelle avec lucidité spirituelle. Et en réalité, si vous attendez ça, monsieur Abdiala, vous attendez, il sonne bien. En réalité, vous pouvez sonner bien dans les oreilles. Parce que dans le moment, ça, c'est ça t'as rien m'étendé. C'est ça, on vit attendé, que pasteur, que sénateur, député, président, ministre, en quelque sorte, yo t'a supposé yo papa pour nation. Mais attendez bien. Ouais. Nous prenons loin côté erreur, chita. L'esprit de l'erreur, ou pas le côté chita. L'esprit de l'erreur, ou pas le côté chita. Nous allons montrer nous côté chita. En tant que missé. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait.
Nous avons déjà dit, comment vous voulez au sénateur qui est petit en Haïti, la voix petite li pour l'éducation en Haïti? Ça il dit, dans les oreilles, où, il fait sens. Il sonne bien. Il sonne bien. Tout ça, la vie, là, sonne bien. En avance. Mais pas j'oublie tout. C'est un homme, c'est un pasteur, c'est un bishop, c'est un homme de Dieu qui a parlé là. Entendez? Par exemple, mettez ça dans maillot. C'est pas n'importe qui qui a parlé là. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Ok? C'est un bishop qui a parlé là. C'est-à-dire que, toute ça l'a dit là qui différentiel de un politicien, ok? Tout ça qui pour ta différentiel de un politicien, c'est parce que ça l'a dit en doué, je prends base lui dans la parole de Dieu. Fondement, message lui, doit sortir dans la parole, mon Dieu. En allé. Ici, la grande université, la paix en cache pour lui, pour mon éducation. Et puis pendant ça, nous, l'autre petit garçon, qui même l'âge, par là, la paix révolte dans la main, pour viser mon appareil, la paix en éducation. Nous avons des peuples là. Peuple là dans le background, on appelle, ouais, yo kota. Fais attention, oui. Fais attention. C'est un pasteur. Après, dis-nous encore, c'est un pasteur, c'est un bishop. C'est un pasteur, c'est un bishop. C'est un homme de Dieu. Qui a prononcé des critiques virulentes envers des hommes d'État. Ok? Maintenant, les campeurs de l'assemblée, les coups à la main, les sous chers, et puis, la prononcer, un discours comme ça aussi virulent vers des hommes d'État. Maintenant, ouais, assemblée à content, y a pas de bravo. Ok. Maintenant, en avance. Pas jamais oublié. C'est un pasteur qui l'a. C'est un homme de Dieu qui l'a. C'est qui ça? C'est un bishop qui l'a. En avance. Mais donc, on va dire, attendez, est-ce que c'est politique, monsieur, a fait? Il y a des gens qui vont dire, est-ce que c'est politique, monsieur? C'est politique, monsieur, a fait! C'est politique, monsieur, a fait! En réalité, ça précède des marches là. C'est-à-dire que, est-ce que, en tant qu'homme de Dieu, un bishop, un pasteur, est-ce que, discours ça, en quelque sorte, son discours qui concernait, qui a un rapport avec don, le pastorat, don, l'esprit de Dieu Balia qui pourrait édifier l'église? Ou bien est-ce que, faites attention, est-ce que discours a un caractère politique là-dedans qui adressait en quelque sorte avec population de façon générale? Maintenant, faites attention, il y a l'église, il y a le monde. Il y a l'église, il y a le monde. L'église, le don du pastorat a été donné à l'église pour l'édification commune. Maintenant, nature discours, monsieur, là, l'y adresser aux politiciens. Il s'adresse des critiques virulentes aux politiciens. Et critique ça, yo, l'a adressé à là, l'y adresser, yo, du haut de la chair, dans l'église, là, ok, avec une assemblée, en dedans l'église, là. Maintenant, t'aimes bien, oui, fais attention, oui. Maintenant, est-ce que c'est le pasteur qui parle? Est-ce que c'est poussé par l'onction? Par l'onction et de l'esprit de Dieu que la parlait, nous parlons rapidement. Faites attention, nous parlons rapidement. Tendez, monsieur, bien. On continue. Monsieur dit, c'est paille qui en de trip, sénateur, député, président, bah, whatever it is. Tendez, bien. C'est pas qui en est dans tribu. On a avancé. C'est la boue qui en est dans tribu. Maintenant, nous allons aller, nous continuer. L'honneur n'a pas développé. Tout autant l'idée, l'on peut développer.
Monsieur dit, on nation pas développé tout autant yon leader pour qu'on développe que yon. Tandem, on a lu. Yon nation développé, les gagnent cœur de père. Ça veut dire cœur papa. Nous allons dire. Oui, yon pays développé, yon leader développé, yon président de, yon bay, les leaders ont cœur de papa. Bay, nous pas loué, il va bay un fondement biblique pour ça. Bay, montrez-nous. Ouais, ouais, l'esprit de discernement. C'est gros cause, oui. Gros cause, l'esprit de discernement. Gros cause. En allez. Ah, et l'âme de besoin pour Michel. Michel dit, livre montrer nous ça bibliquement pour nous pas penser ces bagailles l'a inventé. Entendez qu'on y a qui ça pas montrer nous bibliquement. Entendez texte, fondement biblique, message Michel. Parce que c'est ça, ça belle là. Pas oublier me dit nous sommes bishop qui parle, pas oublier me dit nous sommes pasteur qui parle, pas oublier me dit c'est onction qui souli qui parle. Maintenant, nous parlons qui nature onction qui sous monsieur. Est-ce que l'onction de Dieu ou bien qui racine onction entendez. Il va prendre la parole de Dieu comme base pour le capable soutenir ça l'avancer à la tête ça le dit entendez. Tendez oui, on garde verset à bibliquement. Mais on prête attention, on garde verset à. Mais texte là. Est-ce que nous est texte là? Dans Ésaïe 22 verset 21. Nous allons voir, tendez oui. Mais texte ça, monsieur prend pour soutenir la prédication. Entendez qui explication, monsieur Baye, de texte ça, en allé. De ta tunique, je le scellerai de ta ceinture. Et puis, ça, oui, qui ça dit? Je lui remettrai ton pouvoir politique. Je lui remettrai ton pouvoir politique. Et avec pouvoir politique, ça qui s'en passait, il sera bon. Est-ce que nous, qui texte, monsieur prend pour justifier prédication, pour le prédicter message qu'il dit que sénateur, député, ministre, t'as supposé ancien, t'as supposé un papa pour nation. Mais chers amis, ou alors avec l'esprit de discernement, l'esprit de l'erreur a toujours la gonne en couille. Tout d'abord, gardez le texte là bien. Je le revêtirai de ta tunique. Et qui est ce jeu? Ce jeu, c'est l'Éternel qui s'adresse, qui parle. Il dit, je le scindrai de ta ceinture. C'est l'Éternel qui a parlé. Je lui remettrai ton pouvoir politique. C'est encore l'Éternel qui dit, m'a bali pouvoir politique là. Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem. C'est l'Éternel qui dit que la pompe. Maintenant, vous voyez, tout d'abord, mais côté problème n'a posé. Ici, ou n'en yon théocratie. Pour moi qui va comme ça, théocratie. Ici, c'est le peuple d'Israël. Yon gen roi, mais yon gen yon théocrate. Régime politique, non? C'est une théocratie. C'est-à-dire, c'est Dieu, en quelque sorte, qui gouverne. Via les rois. Prêtez attention, mes chers amis. C'est ça de fait. C'est pas démocratie qui l'a. C'est ça de fait.
c'est pas peuple qui dit m'a retiré tunique là, c'est pas peuple qui dit m'a retiré ceinture là, c'est pas peuple qui dit m'a retiré pouvoir politique là, c'est pas peuple qui dit m'a fait monsieur yon roi. C'est pas démocratie qu'il a, c'est une théocratie. Ouais, comment c'est, comment c'est gardé, comment c'est tendé, oui. Allez, l'homme a une lucidité spirituelle. L'homme, ou dans erreur, ou tombé dans le couille. Ici, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a dit mes sambres le fait. En dedans pays, c'est Dieu qui décidait du pouvoir politique. C'est ce qu'on appelle une théocratie. T'as l'air, monsieur, t'as parlé de sénateurs, de députés, de ministres, de ceci, de cela. Mais, sénateurs, c'est pas bon Dieu choisi, yo. Députés, c'est pas bon Dieu choisi, yo. Ministres, c'est pas bon Dieu choisi, yo. C'est le peuple qui a choisi, yo, dans l'élection. C'est-à-dire que vous avez deux régimes politiques. Tout d'abord, c'est pour monsieur était établi la différence entre ces deux régimes politiques. Vous avez deux côtés. Il y a un régime politique qui c'est théocratie. Côté Dieu intervenu directement dans les affaires politiques de la nation. Et c'est ça Dieu fait là. Dieu dit, je le revêtirai de ta tunique, je le ciderai de ta ceinture, je lui remettrai ton pouvoir politique. C'est pas peuple qui a parlé là. C'est pas le peuple qui a parlé là. C'est pas démocratie qui a parlé là. C'est la théocratie qui est en œuvre dans ce texte. C'est la théocratie qui est en œuvre. Attendez. Maintenant, vous attendez, la Bible dit tout gouvernement sorti de Dieu. Vous attendez, c'est ça, oui. Quand vous pas comprendre plus bien. Vous pas comprendre, on va dire nous, problème enseignement, de sous bluff. Maintenant, allons ici. Dans le contexte de régime théocratique, maintenant le roi ici est choisi par Dieu dans l'igné. Et c'est Dieu en quelque sorte qui décidait en quelque sorte comment la va accompagner au hasard. Attendez, oui. Maintenant, on avance. Nous va loin. Un, premier erreur. L'idée décontextualisée. Texte là, parce que texte ça, l'inscrit dans un contexte de régime politique théocratique. Claire? Ça, c'est premier erreur, monsieur. C'est l'esprit de l'erreur, ici. L'idée naturelle, régime là. Maintenant, nous va loin, ça, monsieur dit. Pour qui raison l'idée naturelle? On va le montrer nous, noir sur blanc. Différence là. Nous allons voir la différence là. Prenez attention, nous allons voir la différence là. Maintenant, pour bien comprendre la différence là, on va faire nous lire un texte. Maintenant, prenez attention. Maintenant, c'est Jésus ici qui parle. Prêtez attention, Jésus va le parler. Mes amis, prêtez attention à texte ça. C'est Jésus qui parle ici. T'as l'air bien, oui? T'as l'air bien? Jésus dit, les 10, Matthieu 10, verset 24. Matthieu 20, verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, maintenant Jésus va établir la différence entre le régime théocratique et régime monarchique mondelin. Jésus va établir deux modes de gouvernance. Mais chers amis, prêtez attention. Elle a tout problème dans gagner. L'Ibral établit deux modes de gouvernance, yon qui chita sur des principes divins, au point qui reflétaient le caractère du royaume de Dieu, et
Yon, en quelque sorte, qui sous domination malin, hein, c'est le pouvoir séculier, c'est le pouvoir du monde, c'est le pouvoir que Satan a exercé dans le monde, non, car le monde entier est sous la domination du malin. Regardez bien comment Jésus prend décrit, en quelque sorte, les régimes qui relèvent du monde séculier où Satan domine, en quelque sorte. Regardez bien qui ça, lui prend le faire. Jésus prend le dit nous allons écraser comme nous, en quelque sorte, de pouvoir monde politique. Là, de pouvoir monter, parce que en réalité, pouvoir ça, les sous domination, c'est bon. Pagé, écoutez bien, c'est normal pour yon agir de telle manière. Entendez bien. Jésus les appela et dit, vous savez, écoutez bien. Jésus dit, vous savez, son bagay yo connaît, que les chefs des nations les tyrannisent. Maintenant, posez tête aux questions. En avance. Jésus a fait la différence là. Et que les grands les asservissent. Ben, ouais, les dimensions spirituelles là. Discernement spirituel là par la caillou, Jésus pas dit, disciple, n'est-ce qu'il y a besoin, pouvoir monde là, dirigeant monde là, besoin de quelqu'un, de papa, non? De quelqu'un, papa, non? Et bien, Jésus dit là, non? Jésus pas dit, pour n'être dans le monde là, changer, pour diriger le monde là, et bien, ça, non? Jésus pas dit, pour n'être ça, yo, diriger le monde là, faut y'a quelqu'un, papa, faut y'a quelqu'un, Jésus pas dit ça, non? Jésus pas dit, ni sénateur doit gagner papa, ni ministre doit gagner papa, ni sénateur député doit gagner papa. Jésus décrit ici une réalité. Réalité ça, raison qui fait Jésus décrit de cette manière, c'est parce que Jésus connaît mode de gouvernance monde là, force qui a gouverné monde là, son force ténèbres, car le monde entier est sous la domination du malin. Car, le monde n'est pas dans une dynamique, le mode de gouvernance du monde n'est pas dans une dynamique théocratique. Aïe, aïe, aïe. Gwen, gwenne qui dit, tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, en tant que Dieu est la source de tout pouvoir, mais tout pouvoir, le pouvoir de ce monde n'est pas exercé par Dieu. Il y a une grande différence entre la source du pouvoir et l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir dans ce monde, c'est Satan le diable qui a exercé le pouvoir dans ce monde parce que il te prend pouvoir ça, non mais Adam, là il te fait Adam pécher. Dieu te baille Adam pouvoir pour gouverner le monde. Mais lorsque Adam a écouté la voix de sa femme, là, il péchait, il entrait dans, il péchait avec parole de Dieu, maintenant, il passait, règne monde-là, à Satan. Et désormais, même les sous-pouvoirs, alléluia, il faut écouter là, mes chers amis, sous-pouvoir, c'est Dieu. Mais l'exercice du pouvoir dans le monde, c'est Satan. C'est ça que fait Dieu pour le dire, Jésus pour le dire, en quelque sorte, les dépouiller les autorités, les principautés, les trônes, les dominations. Pour comment le faire dépouiller, Négio? Comment le faire les autorités? Comment le faire les principautés? Comment le faire les rois de ce monde? Comment le faire les Nexa? Alors que ce sont des esprits malins, ce sont des anges déchus. Mais Réléo, en quelque sorte, prince. Jésus est le Satan, le prince de ce monde. Comment faire Jésus est le Satan, prince de ce monde? Alors, raison de faire le prince de ce monde, c'est parce que Satan, en quelque sorte, a exercé son pouvoir. Il a un royaume. Comment faire Satan qu'il a un royaume? C'est parce que royaume Satan gagne, c'est nommé Adam que l'il prend. Sous monde là. Faut pas écouter bien. Là, il y a un problème dans ça. Là, il y a lucidité spirituelle. Et normal, oui. Pour dire, pour voir et monter. Maintenant, il faut comprendre. Maintenant, ça passe là. Dans le texte, ça. Il dit, les chefs des nations les tyrannisent. C'est normal. Parce que c'est Satan qui a gouverné. Régime politique, ça y est. C'est régime politique qui inscrit nos dynamiques, ok, pour exercer pouvoir par la force.
Il dit les asservices. Mais c'est normal. Parce que en réalité, ok, en réalité, c'est ça qu'a fait là. Maintenant, le problème qui gagne, c'est la vérité. C'est la vérité qui va démanger son. Ou qu'a fait tout coup ouvri, oui. Mais c'est la vérité qui va démanger son. Debout ou pas à l'aise à ça. C'est normal. Parce que, en réalité, bon, Jésus te gagne doit dire pour ne pas être converti. Raison qui fait Jésus pas dit pour ne pas être converti. T'as bien? Raison qui fait Jésus pas dit pour ne pas être converti. C'est parce que Jésus connaît bien. C'est pas en réalité, nek sa yo kap dirige. Ouch. Aïe, aïe, aïe. Connais nous. Écoutez. Après, dis encore. Est-ce que nous, Jésus dit pour nek yo, gagnons cœur de père, gagnons cœur de papa, c'est parce que yo pas papa, c'est parce que yo pas gagné papa, qui fait que y a pas ce pays, y a déchirpillé pays. Non. Jésus n'a pas dit ça. Raison qui fait Jésus. Jésus gagne lucidité spirituelle assez. Jésus gagne lucidité spirituelle pour connaître, il gagne bon discernement, pour connaître mieux, c'est pas nègre qui a dirigé, c'est pas sénateur qui a dirigé, c'est pas député qui a dirigé, c'est pas ministre qui a dirigé, c'est pas éternel qui a dirigé. En réalité, c'est l'esprit du malin. Qui anime Negyo qui a dirigé le monde à travers ses sénateurs, ses députés, ses ministres, ses présidents. C'est ça! C'est ça! Bon, mais c'est ça! L'évangile n'a pas de problème. Tu fais nous retarder. Parce qu'en réalité, il y a un Negyo qui a des problèmes. Moi, je n'ai pas besoin de problèmes avec lui. Et ben, me dit, ben, me fait nous, pas faire nous t'en dire encore. Parce que, en réalité, pour nous comprendre ni bien, les messieurs dit ça, les pasteurs Grégory dit ça, monsieur pas une lucidité spirituelle pour comprendre que ce ne sont pas les sénateurs, les députés, les ministres qui gouvernent. Ce ne sont pas les députés. Problème, monsieur Gué. Monsieur Gué, un cadre référentiel que monsieur Bagué. Dis-nous ça déjà. J'ai dit ça à mes étudiants. J'ai dit, m'expliquer étudiant mieux ça. Le pasteur Grégory, Gué, un cadre référentiel que le Bagué. Et c'est une raison qui fait tomber dans la confusion, ça. Il s'adresse aux sénateurs. Il s'adresse aux députés. Il critique les sénateurs. Il critique les députés. Il critique le président. Il n'a pas pu, en tant qu'homme spirituel, soi-disant homme spirituel, discerner l'esprit, en quelque sorte, qui gouverne à travers les sénateurs, les députés, les ministres, en dedans de hier. Le pouvoir, en réalité, n'ayons pensé charnel, dans une conception charnelle, ou après sénateur, laissez la chair qui a gouverné, l'esprit, ou après c'est sénateur, ou après c'est député, ou après c'est ministre, ou après c'est nexayo, en quelque sorte, qui problématiquement. Et pourtant, c'est faux! C'est une mauvaise lecture spirituelle de la réalité du pays! Depuis où? C'est ça, m'a dit là. Elle m'a dit non. Anyway. C'est ça, elle, la problème de commencer. Il y a un cadre référentiel qu'elle n'a pas, un grade, il n'a pas gagné. Et c'est une raison qui fait que, il est tombé dans la dimension ça. Maintenant, où est-ce qu'il y a l'évangile politisé? Raison qui fait discours dans son discours politique, c'est parce qu'en quelque sorte, c'est une étoile qui est tombée. Et m'expliquez-nous bien. Nous parlons de bagay. Ou pas qu'à mander un sénateur, un député, un ministre. Ok? Ou pas qu'à mander au sénateur ministre
pour le gagner un cœur de père. Vous pas comment dire ça? Qui sont qu'a dit un sénateur et un ministre? Qui sont qu'a dit un sénateur et un ministre? Au cas évangéliser. Parce que en réalité, y'a pas vous dans le monde. Pour ça. Maintenant, on garde posture pasteur. Posture pastorale. On garde qui est-ce qui t'a parlé. Est-ce que c'est le bishop ou c'est le pasteur? C'est pasteur, bishop ou bien c'est l'homme politique? La mission qui a été confiée à l'église, la grande commission, c'était quoi? C'est de faire des disciples. C'est de faire des disciples où? Dans le monde. Écoutez bien. Ça, c'est la commission. La grande commission, c'est de faire des disciples. L'onction, le Saint-Esprit, donne des dons à l'église, des dons spirituels. D'où le pastorat. Le don pastoral, l'Esprit baille à l'église pour l'édification commune de l'église. Maintenant, écoutez bien. C'est notre dynamique, ça, parce que la mission de l'église, en quelque sorte, c'est préparer, édifier aux chrétiens pour arriver à maturité spirituelle. Jusqu'à ce que le Christ soit formé en la personne, à travers l'enseignement. Maintenant, pour ceux qui ont trait à gagner des âmes évangélisées, la prédication de l'évangile, c'est l'Esprit de Dieu qui accordait le ministère ça. Dans qui but, Jésus te bali pour faire des disciples. Pour faire des disciples. Maintenant, l'homme fait des disciples. La différence entre l'évangéliste, la différence entre un homme politique, un adversaire politique et un homme évangélique, l'elle sortit dans le monde là, poussé par l'Esprit de Dieu, lui entraîne en dynamique pour le gagner des âmes. Pour l'annoncer l'évangile, semer la parole. Semer la parole du Christ, l'évangile. Ou annoncer-lui dehors. T'aimes bien? Ou annoncer leader. Écoutez bien ce que je dis là. Ou annoncer leader. Pour gagner. Non. Ou annoncer l'évangile du Christ. Sénateur, député, ministre, magistrat. Objectif ou, en tant que homme de Dieu, c'est gagner des âmes. Tel a été le cas pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul t'est confié, Jésus dit m'a voyé auprès des autorités pour représenter, pour annoncer l'évangile. Et l'apôtre Paul, arrivé devant Agrippa, il a arrêté lui, il a marié lui, ok, pour peut-être annoncer l'évangile. L'évangile, t'es qu'on baille des mangeaisons à monde là. L'évangile, dans monde là, t'es qu'on baille problème à l'époque. L'église primitive a annoncé l'évangile. Nous, on est dans la prison, on est tombé. Nous, c'est dans la prison. Pour qui raison? Parce que l'évangile que nous avons baillé, là, c'est l'évangile, le Saint-Esprit te baillé. Laisse ça pour qu'on ait compromis. Mais qui soit dit là, professeur? L'évangile Paul, qui fait Paul fini, j'en finis. L'évangile Paul, l'évangile l'apôtre, l'église apostole là, t'es qu'on baillé. L'église apostole, l'apôtre, pas un compromis avec gouvernement. L'église apostole là, pas dans compromis avec l'État. C'est parce que nous, bien âmes, les dis-nous là. Puis le monde pas comprendre. L'église, Jésus-Christ, l'apostole là, y'a pas dressé voix autorité. Non, mais l'État. Pour y'a prêcher l'évangile, non? Les apôtres, y'a te recevoir les dons du Saint-Esprit. Y
Yo pas dans l'université, l'État, dans l'université, pour y aller prendre papier, diplôme, que l'État reconnaît pour exercer le pastorat. La porte, yo, ça te yon fini dans prison. Ça te yon fini dans prison. Ça te yon lapide yo. Ça te yon arrête yo. C'est parce que autorité yo te gagne pour prêcher l'évangile dans le monde là. C'est dans le ciel yo te joué ni oui. C'est l'esprit de Dieu te bayol. C'est pas dans l'église. C'est pas dans l'université. C'est pas dans le séminaria yo t'al prendre. L'église apostola pas de bagay sa yo. C'est normal pour l'État persécuter yo. C'est normal pour l'État mande yo. Kote yo juin autorité pour y a parler comme ça. C'est normal pour l'État triner yo dans tribunal. C'est normal pour l'État interroger yo sous question, sous l'évangile y'a bay la. Parce que en réalité, yo pas de gagner autorisation de l'État. Yo pas gagné pouvoir l'État pas accordé autorisation. Et ben non mais l'État au déjeuner. Faut l'État questionner pouvoir, faut l'État questionner côté au jeune sardia, faut l'État questionner doctrine, faut l'État questionner bagala qu'on y a là. Pour yo bail côté au jeune, ça bail là. Maintenant. Qui pasteur je dis à qu'à prêcher. Seul pas qu'on diplôme reconnu dans l'État. Seul pas qu'on autorisation l'État. Qui pasteur, je dis à, qui capable prêcher, parler, seul pas qu'on autorisation l'État. L'apostasie a commencé avec la conversion de Constantin. L'apostasie de l'église. Bon, d'ailleurs, c'est ça que fait l'église apostasie. C'est ça que fait l'église apostasie. Pour qui raison? C'est parce que, en réalité, l'État vient faire un sel avec l'église. Les Constantin fouille pile en est dans l'église. En 300, en 300. Et quête. Les Constantin fouille pile. C'était l'objectif, même oui, pour apostasier l'église. C'était mission Constantin ça oui. Alors que l'église t'a gagné pour évangéliser le monde, Satan utilisait Constantin pour apostasier l'église. C'est l'inverse. L'église, Jésus établit l'église avec mission pour évangéliser le monde, et bien Satan fait l'inverse, Satan utilisait Constantin qui était empereur pour apostasier l'église. Au lieu que l'église aille dans le monde pour l'annoncer l'évangile, pour le convertir royaux, pour ceci, pour cela, pour le, c'est Satan qui prend, empereur, lui entre dans l'église, lui apostasie l'église, et puis il mettait l'église en bas griffe, c'est peut-être ça, ou l'église apostasie. C'est-à-dire, l'église, ça, lui mélanger. L'église, là, dans un compromis. L'église, là, entre dans compromission. Comment l'église a fait entrer dans la composition? Qu'on y a, c'est pas don. C'est pas don, cet esprit encore, qui a dirigé l'église. C'est le séminariat qui a dirigé. Maintenant, ou pas besoin don, cet esprit, pour pasteur, ou besoin seulement autorisation, un séminaire, ou bien, une école, une université, que l'État reconnaît, pour mettre l'église campée. C'est le problème, mes gars. Lorsque les apôtres croisaient Jean, croisaient Paul, lorsque les apôtres croisaient Paul, yo dit Paul, nous t'en dois à planter l'église. Parlez-nous de message oua. Paul présentait message lia bail les apôtres que ont été considérés comme les colonnes. Maintenant, l'apostolat, sont l'autre bagaille. L'apostolat, par un don. Écoute, c'est un gros projet. Mais maintenant, où est le problème? Tout le bagage, ça aussi, on l'autre bagage, oui. Tenez, monsieur paraît, pour tes apôtres,
faut recevoir mission là directement de Jésus-Christ. C'est ça une caractéristique majeure pour apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé, mais envoyé ça lui doit recevoir mission ça directement de Jésus-Christ. C'est peut-être ça yo considérer l'apôtre Paul comme apôtre. C'est ça fait après apôtre, après l'apôtre Paul pas des apôtres encore. N'importe n'importe qui a pris les têtes aux apôtres, c'est blasphème lié. Par contre, don. Par qui va y comme ça? Pour apôtre, forcé directement de Jésus-Christ ou recevoir apostolat. C'est ça fait d'où les 12 apôtres. Il n'y a pas plus parce que le gouvernement divin, il chita autour des 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre. C'est le nombre du gouvernement. C'est le nombre du gouvernement. Maintenant, on a les... C'est quoi causé? Mais attention. Il y a un monde qui va comprendre qui dégâts. Constantin fait. Parce que Constantin, t'es en mission. Il y a un monde qui va comprendre qui dégâts Constantin fait. Je vais être clair avec nous. Il y a un monde qui voit seulement Constantin fait dégâts. Parce que Constantin, t'es en mission. Empereur Constantin, t'es en bon mission. Il faut que yo mette en prise sous l'église apostolat. C'est ça que fait l'église apostolat te suspend apostolat. Pour qui raison? Parce que depuis les Constantin mette griffe li. Li dit. Tendez oui? Li dit pour yon moun. Tendez oui? Li dit pour yon moun. Vini. Exercer métier pasteur. Prêtre. Achevé. Andez dans l'église. Et pas le Saint-Esprit ou besoin. Faut passer dans le séminariat. C'est Constantin, c'est pas moi, non? C'est Constantin qui établit, qui dit, lui. C'est Constantin qui dit. C'est Constantin qui prenait pour yon moun. Pour yon moun. Avant Constantin, c'est le Saint-Esprit qui bail don. Avant Constantin, c'est le Saint-Esprit qui distribue don à volonté. C'est le Saint-Esprit qui établit par et pastorat, qui établit ministère. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé l'église. Le Constantin intervenu. Il établit le séminariat. La mission établit le séminariat. Pour yon moun vini prêtre, pour yon moun vini pasteur, pour yon moun vini bishop, pour yon moun vini paix, on est dans l'église. Faut passer dans le séminaire. Yon. Faut jouer un accord. Autorité ecclésiastique. Faut jouer un accord. L'église, Constantin, l'État. Maintenant, l'autre dit Constantin, c'est l'État où t'es dit. L'autre dit Constantin, où t'es dit l'État. Et depuis l'État, tout, si nous remarquons, mes chers amis, si nous remarquons, c'est même pratique ça qu'il a. Alors, on est toujours pas sur ma bêtise. Les gars disent que ils sont docteurs. Ils sont docteurs en théologie. Monsieur, comme monsieur, ils disent en divinité. Ok? Les gars ont un doctorat en divinité. Et puis, ils disent, monsieur. Et bien, monsieur dit comme ça que c'est sous l'apôtre Pierre, c'est sous l'apôtre Pierre qu'il t'a fait les soutenir thèse sur Pierre, l'apôtre Pierre. Ndomberi, monsieur, m'a dit, ça m'a dit, monsieur, comme si vous allez prendre un doctorat sous Pierre. Monsieur, étonné, m'a dit, mais écoutez, m'a dit, bah, on n'a pas besoin d'étonner, m'a dit, monsieur, ça qui fait m'étonner, c'est que l'homme en question, l'apôtre Pierre en question, monsieur, pas de qu'on lit, pas de qu'on écrit. L'apôtre Pierre, qu'on décroche doctorat, thèse doctorat, là, titre docteur, là, sous tête, monsieur. Monsieur prend titre doctorat, là, sous tête, Pierre, qui ne savait ni lire, ni écrire. Où est l'ironie? L'ironie, c'est là la puissance de l'esprit de Dieu. L'ironie, c'est gorosé. Pierre, dans l'école, cet esprit. Pierre et Sèvres, me dit, monsieur, côté Pierre, t'es pas doctoral là. C'est dans l'école, cet esprit. Comment? Cet esprit établit Pierre,
Il dit moi établi. OK? Cet esprit ba monsieur autorité pour le parler. On est qui raconte li li ni écrit. Maintenant, mais jodi an nèg la pour un test doctoral, il soutenu test doctoral en Pierre sous Pierre. Ou est l'ironie? L'ironie de l'histoire. C'est ça. Et c'est ça que fait. Journée aujourd'hui, on est dans l'église où est une guerre de titre. Maintenant, pas de monde qui pasteur encore. Je trouve un titre pasteur à trop petit. Qu'on y a négocié et bishop, c'est docteur. Parce qu'en réalité, c'est question prestige du titre. C'est la guerre des titres. C'est la maladie des titres. Au moins, nèg la, yo, titre pasteur à pas mon corps. Parce que nèg yo aspire. Petit pasteur va bon, comment je négo. Maintenant, et problème qui gagne, hein, c'est que l'église apostate, jodi, gon l'autre mode opératoire. Gon l'autre mode opératoire. Et l'autre mode opératoire là, l'apostasie n'est pas liée au fait que l'État entré. Maintenant, c'est pas l'État seulement qui est entré dans l'église. Compromis avec l'État, le fait déjà. Maintenant, ça qui est entré dans l'église, c'est Satan même qui est dans l'église. Comment expliquer ça? Bah, l'expliquer nous mieux. Lorsqu'on l'église, on assemblée. Côté prédication, l'évangile y a prêché en dedans. Prédication. C'est. Attendez, oui. Ou pour aller délivrer. Moun pas vine l'église pour y délivrer. Oh, ça dit, moun pa vin l'église pour délivrer, pour délivrance. Moun vin l'église parce qu'on délivre. Tem font-il parler avec nous? Moun pa vin l'église pour délivrer. Moun vin l'église parce qu'on délivre. Ou délivrer du péché, ou délivrer de la chair. Ou délivrer du monde, ou délivrer du diable, ou délivrer des forces, des ténèbres et de la mort. Ou vine l'église parce qu'on délivrait. Car Jésus ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Ou vine l'église parce qu'on sauvait, parce qu'on délivrait des forces, des ténèbres et peut-être sont entrés l'église. Ou pas vine l'église pour délivrer, non. Ou pas vine l'église pour avoir marché. Ou pas vine l'église pour capable vin riche, ou pas vin l'église, pour business ou marché, ou pas vin l'église, pour jeune mariage, ou pas vin l'église, pour réussir, pour réussite sociale, ou pas vin l'église, pour tout avoir kadeli, ka marché. Non, sous besoin avoir al marché, c'est pas l'église ou vini al kaiboko. Sous besoin avoir marché, ou besoin qu'on est, est-ce qu'on va gen kay, est-ce qu'on va al kaiboko, al ouè saïkik, ou pas vin l'église, moun pas vin l'église pour délivrer, moun pas vin l'église pour caille, moun pas vin l'église pour machine, moun pas vin l'église pour ceci, moun pas vin l'église pour là, ou vin l'église pour l'édification de votre âme. C'est pour ça vin l'église. Le don de l'esprit, les dons de l'esprit a été donné à l'église pour l'édification commune. C'est pas pour moun vin riche, c'est pas pour moun vin bien mené, c'est pas pour moun jeune mariage, c'est pas pour moun faire petite, c'est pas pour moun vin gekay, c'est pas pour moun a bien passe. Non! Ou vin l'église, ou dans des, ou vin l'église, parce qu'on délivré pour faire partie du corps de Jésus-Christ pour l'édification commune, pour qu'a préparé pour le retour de Jésus-Christ. C'est pour être sauvé de l'église, ou vine l'église, pour capable préparer, river à maturité spirituelle, pour Jésus-Christ qu'a formé dans où, de quoi, pour les Jésus vini, pour capable préparer, parce que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ.
En tant qu'épouse, elle doit préparer pour recevoir le son époux. C'est l'Église, l'Esprit de Dieu, qui pour mission préparer l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, à l'avènement de son époux, Jésus-Christ. Ou pas vin l'église pour vin riche, ou pas vin l'église pour vin grand femme, ou pas vin l'église pour vin de l'argent, ou pas vin l'église pour capable bien passer, ou pas vin l'église. Non. Depuis ou vin l'église, c'est pour bagay sa yo, c'est que c'est la passion, ce sont les passions de la chair qui animaient en dedans l'église. Maintenant, l'évangile, il y a baillé dans l'église, c'est pour satisfaire les désirs et les passions de la chair. L'évangile, ça pas pour sauver l'homme. L'évangile, Satan entrait en dedans l'église, il vient avec l'évangile de prospérité pour satisfaire l'ambition, pour satisfaire les désirs, les passions, les convoitises de ceux qui besoin venir vivre, même gens avec monde là. Guess what? Tout le monde est entré en dedans l'église, qui vient en dedans l'église. Gardez. Yo vin l'église, c'est ça te fait ou est gen mega church. Mega church pas qu'à prêcher l'évangile de repentance. Mega church pas qu'à aller prêcher l'évangile sous péché. Mega church pas qu'à prêcher l'évangile pour dire moun repenti. Mega church pas qu'à prêcher l'évangile de la vérité. Mega church c'est l'évangile de prospérité parce que la vérité elle donne de la démangeaison à l'âme. Vérité, pas fait moun bien, en dedans l'église. Ou pas vin dans l'église pour bien. Ou vin en dedans l'église pour vie ou transformer, pour former à l'image du Christ. Ou pas vin en dedans l'église pour à l'aise. Ou pas vin en dedans l'église pour avoir bien marché. Zamim, n'importe moun qui dit ou vin l'église pour avoir qu'à marché. Ou vin l'église, c'est qu'on peut que j'aime comprendre l'évangile. Sous besoin riche, Al-Kaïboko. Sous besoin grivé, Al-Kaïboko, Kaïmambo. Mais sous besoin sauver Namou, ou besoin édifié, ou besoin Christ, pour place qui dans la roue, vine l'église. C'est l'évangile ça. Mais laisse ça ton suspect. Faut l'entrer dans l'église. Avec l'évangile. Et l'évangile qui est entré dans l'église, non? C'est l'évangile pour satisfaire les désirs et les passions de la chair, les convoitises humaines. M'a dit non, tu bagailles bien. Satan tellement connaît. Satan tellement à l'aise. À l'évangile qui est dans l'église. Satan pas qu'à de l'église là encore. Sous besoin, côté Satan qui a problème à l'église. Sous besoin, côté Satan qui a gros problème avec l'église. Quitter l'église, commencer à prêcher la repentance. Quitter l'église, commencer à prêcher la conversion. Quitter l'église, commencer à prêcher mounio, pour mounio quitter convoitise, pour mounio quitter péché, pour mounio quitter mode de vie menéant, pour mounio quitter vie Chanel. Depuis l'église commence à prêcher bagage yo, ou après l'église en bagay moun la dan anko. Mes chers amis, m'a prédit non encore, ça encore. Quand ou l'église commence à prêcher la vérité de l'évangile du Christ. Gardez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si l'église commence à prêcher, gardez pour la djou, vie ou ap mené en pas bon, vie sans la donne dans l'île pas bon, vie sans blé en pas bon. L'église pas gagnon grain de monde qui rete la donne, parce que l'église envahit avec moun qui grand goût, qui vicieux, qui décrasse, qui besoin rivé, moun qui besoin riche, moun qui besoin millionnaire, moun qui besoin grand femme, moun qui besoin grand limena, moun qui besoin grand poil, moun qui besoin ouvert moun d'ailleurs, c'est avec moun ça où l'église envahit. Et moun sa yo, mais arrivé en dedans l'église,
Yo besoin un pasteur, yo besoin un bishop, yo besoin un nèg, un homme qui sous chair, qui pour dire à faire pour le marché. Yo besoin un pasteur, yo besoin un apôtre, yo besoin un homme de Dieu qui pour dire bagaille pour le marché. Kay l'autre a prié pour lui en Jésus pour le baoul. Machine non t'a prié pour lui en Jésus pour le baoul. Marie ou t'a prié pour lui en Jésus pour le baoul. Gardez toutes sortes de diplômes ou t'as prié pour lui en Jésus pour le baoul. Mais fais attention. La vie du chrétien. La vie du chrétien est parsemée d'embûches. Ce qui différencie le vrai chrétien du monde, le chrétien a des épreuves, le monde a des problèmes. Au pauvre qui se dit là, t'aimerais dire, l'église, le chrétien, le vrai chrétien a des épreuves, chrétien pas contre des problèmes. M'te dit, moun pas paniqué. Chrétien, pas qu'on ait problème. Chrétien, gain épreuve. Ça dit là, c'est moun qui pas gain Christ qui gain problème. C'est moun qui pas vrai chrétien qui gain problème. Le chrétien a des épreuves que il doit surmonter par là avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça le Saint-Esprit, le paraclet, il est le consolateur. Pour le capable et des chrétiens fait face aux épreuves dans la patience. Alléluia. Ça, c'est le chrétien. Le vrai chrétien. Chrétien vit l'église. Ok? Les besoins, les vins édifiés n'amni pour le capable surmonter les épreuves qu'il a rencontré sous route. Chrétien va vivre l'église. A vu plein de problèmes. Les chrétiens ne murmurent pas. Vrai chrétien pas qu'on murmurer, vrai chrétien pas qu'on vienne plaigner, vrai chrétien pas qu'on dise de prier. Non, la prière des chrétiens, li là pour aider yon l'autre, prend courage, kembe la foi pour yon faire face aux épreuves. Listen carefully, c'est peut-être ça le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous là, les chrétiens dans l'église, faut gagner l'amour, parce que nous tous a fait face à des épreuves. Ou a supporté yon l'autre, bah l'autre la courage et délire dans la prière pour faire face à épreuve ça que la montée a pour aider le kembe là, kembe la foi, kembe la foi. Problème c'est pour le monde. Et le monde dit solution à problème. Le problème c'est pour le monde. Problème c'est pour le monde. Chrétien qui est épreuve. Vous pas comprendre la gaz, me dit. L'homme dit chrétien pas de problème. Vous pouvez qu'on a niveau pour comprendre ça. Vous pouvez comprendre ça. Parce que t'aimes toujours bien. Si c'est problème chrétien a bien, Jésus pas t'a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Tribulation, c'est pas pour le chrétien. Ce sont des épreuves à surmonter. Mais, tribulation, des tribulations, parce qu'on est côté. Maintenant, le problème qui se pose, ça te fait ces épreuves liées. Différence qui gagne entre épreuve et problème. Épreuve chrétien, c'est à cause du nom de Jésus-Christ qu'il prend. Problème, monde là, c'est pas peut-être Jésus. C'est ça fait. Chrétien pas gain problème. Chrétien gain problème, gain épreuve. Tout ça en chrétien a confronté sur route li, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, c'est épreuve lié, il pas problème. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est à cause du nom du Christ. Tu as gagné. Mais il n'y a pas de problème. Parce que Dieu a eu épreuve pour former caractère. En réalité,
C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Le baptême de feu, en réalité, nous avons trois baptêmes. Le chrétien doit passer par trois baptêmes. Oh, professeur dit là, oui, le chrétien a trois baptêmes pour le passer, pour préparer, pour entrer dans le royaume de Dieu. Trois baptêmes. Trois baptêmes. Premier baptême, non, c'est le baptême d'eau. C'est baptême ça, ok, ou baptisé dans l'eau, ou né de nouveau. Le deuxième baptême, non, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, recevoir le Saint-Esprit, ça, l'y préparer pour capable produire le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient la caillou, la fait un travail de renouvellement, de l'intelligence, de transformation, la former caractère, la enseigner, la préparer ou pour capable produire fruit de l'esprit qui c'est l'amour, la joie, la patience, la douceur, la tranquillité. C'est ça, ça c'est deuxième baptême non. Troisième baptême non, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le baptême qui lié aux tribulations, aux persécutions, aux calamités. Vous pouvez le confronter, l'on a un désir là. Parce que lorsque vous finissez de recevoir le baptême, Jésus prend tous les trois baptêmes. Ça. Jésus prend tous les trois baptêmes. Ça. Un, Jésus baptisé. Deux, Jean baptisé le nom de l'eau. Vous entendez? Jean baptisé le nom de l'eau. Premier baptême, non. Pendant que vous êtes dans de l'eau, cet esprit descend sur lui. Deuxième baptême, non. Troisième baptême, non, qui c'est baptême de feu, c'est tribulation que l'on connaît. Pendant la annoncer l'évangile, jusqu'à ce que l'arrivé à la croix, tribulation au nom de la parole. C'est ça que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, que le charge de quoi? C'est ça le baptême de feu. Faut charger de quoi? C'est ça le baptême de feu. Faut charger de quoi? Sous Jésus, faut prendre tous les trois baptêmes. Maintenant, je dis, hein, ça nous remarque. Chrétien, hein, lui prend baptême d'eau. Lui besoin baptême d'eau. Lui applaudit pour baptême d'eau. Lui applaudit pour baptême Saint-Esprit. Hein. Yo besoin Saint-Esprit. Yo besoin Saint-Esprit. Yo besoin Saint-Esprit pour miracle. Yo besoin don Saint-Esprit pour miracle, pour merveille, pour ceci. Mais baptême de feu, hein. Yo va les donner. Je vais résoudre le baptême de feu. Et c'est là que tout problème a commencé pour le chrétien. C'est ça qui fait qu'il y a des chrétiens qui vivent dans la route qui ne peuvent pas aller plus loin. Il y a des chrétiens qui vivent dans la route qui sont abandonnés. Il y a des gens qui entrent dans l'église qui give up. Parce que les arrivés dans le baptême de feu, c'est ça. Baptême de feu, c'est lui-même qui dit, c'est dans le baptême de feu, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est ça qui fait. C'est ça te fait ou besoin le Saint-Esprit pour aider dans le baptême de feu parce que c'est lui-même qui consolateur le paraclet qui est le Saint-Esprit, il est là pour vous consoler, pour aider dans le baptême de feu à l'a traverser et gogozer parce que c'est baptême de feu qui va le purifier. C'est baptême de feu qui va le purifier. Et gogozer. Bon. So, l'arrivée là dans dimension ça. Vous comprenez? L'arrivée là, dans dimension ça. Le fin pré-baptême de feu, vous préparez, vous venez tant qu'on l'a, ou l'a, ou purifié. C'est les arriver à ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Qu'on est ou prêt pour confronter, ou pas appeler l'amour encore. Ou pas appeler l'amour encore. Ou pas peur la mort encore. L'arrivée dans la dimension là. Vous n'avez plus peur de la mort. Vous pouvez le dire à l'instar de Paul, la mort pour moi est vengée. Et gogoze, oui. Ouais, Paul prend bâton. Ouais, Paul pensait ci, Paul pensait là. Mais lorsqu'on arrive à maturité spirituelle, après avoir ou fait face avec tribulation, problème, calamité, toute difficulté ou t'es capable de rencontrer,
Et puis à ce niveau-là, mes chers amis, vous arrivez à maturité spirituelle, vous n'avez plus peur de la mort. La mort pour vous, c'est un gain, comme l'apôtre Paul l'a dit, l'a aussi bien dit. Et puis qu'on y aura dit, j'ai combattu, alléluia, c'est ça, le chrétien, le combat. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course des hommes. Et gros rosé, maintenant vous arrivez à maturité spirituelle. Maintenant, vous chita, alléluia. Maintenant, vous pas peur encore. Parce que vous portez la victoire sur le péché, sur la chair, sur le monde, sur le diable et désormais sur la mort. Waptan, vous êtes préparé. Maintenant, revêtu de Jésus-Christ, revêtu du robe de la robe de justice, revêtu bien entendu de la sanctification et puis qu'on y a Waptan, le retour en gloire de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça, les chrétiens. C'est ça. Maintenant, il y a des gens, bon, écoutez. Il y a des gens qui disent, mais ça qu'a passé là? Ça qu'a passé là? Je vais faire une remarque pour me terminer. Il y a un piège, il faut toujours éviter. Lorsque vous êtes appelé, et lorsque vous gagnez option l'Esprit de Dieu dans la vie, et gagnez un piège pour éviter. Je vais l'expliquer ce que ça me veut dire là. L'option n'est pas faite pour humain à cause du péché. L'onction du Saint-Esprit n'est pas faite pour humain. N'est pas faite pour quoi ça? À cause du péché, parce que le péché est condamné dans la chair. Maintenant, l'onction sous, par exemple, yon onction, yon don spirituel ou bien onction l'Esprit de Dieu baou, n'est pas la go non courri. Tandis, ça m'a dit à la bien, oui, mes chers amis. N'est pas la go non courri. Onction tellement fort, parce que son puissance liée, la chair pral toujours ranger col pour résister avec puissance option. Mais ça me tendait bien. Là, j'enseigne. Je dis à là, m'a enseigné. Quand vous êtes appelé à un ministère, vous recevez l'option. Gagnez un piège. Faut toujours battre pour éviter. Parce que la chair pral faire résistance avec option. Mais ça qui passe. Option, son force, en puissance qui attirait les attractives. L'option est par nature attractive. Il y a les attractives, les attirer, mon. C'est l'onction. L'onction attire. C'est un qu'on l'aimant, lui attirer. C'est un coucou son bagage qui a brillé. Il aurait aimé ça. Ou après foule, vin en vaillou. L'onction, option, ou après foule en vaillou. Maintenant, les foules en vaillou, nos onction, son piège lié. C'est un gros piège. Parce qui piège lié? C'est onction qui attire foule là et pas ou même qui attire foule là. Foule là pas ouais ou sans onction. Foule là ouais onction qui la caillou. Maintenant t'aimes bien. Les foule là a marché dehors. C'est pas ou même yo ouais. Yo ouais onction qui sous. C'est à dire que face là esprit avant là et lié. Mais t'attendez bien. Puisque la foule est par nature charnelle. T'attendez bien samedi là. Puisque la foule est par nature charnelle, la foule cherche toujours à satisfaire des désirs et des passions charnelles. Yo pap capable en quelque sorte forward différence entre ou même
et option. Ça yo fait, yo commencé vénérer ou au lieu de vénérer sous travail. Ça passe. Yo commencé parler de où? Oh, mon cher, la voix, pasteur Lavoisier, c'est bon bagay. Moi, mais pasteur Lavoisier, ouh, pasteur tel. Ça, c'est premier piège, foule la balle de la goutte. Oh, pasteur tel, pasteur ceci, ouh, depuis pasteur ça parlait. Faites attention, parce que foule là, c'est désir charnel qu'a mené. Il pas qu'à faire, il pas qu'à discernement, il pas qu'à faire différence entre ou même, qui est l'instrument et l'option qu'a servi avant là. Ok? Qu'a servi avant là. Pour bailler l'évangile là. Maintenant, foule là, pas qu'à faire dit, li, foule là, oh, pasteur tel, moi, mais pasteur tel, ouch, pasteur ça, bon, pasteur ça, oui, ou vin, qu'on y a, ou commencer à augmenter en popularité. Popularité, 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 popularité. Maintenant, Jésus connaît ça tellement bien. Les foules ont commencé à envahir Jésus. Foule, popularité Jésus a augmenté. Popularité Jésus a augmenté. Parce que l'onction qui sous Jésus a commencé à attirer foule, commencé à attirer moun, à poter bourré. Jésus, c'est foule. Jésus pas voulait prendre un piège. Parce que papa le dégain t'enseigner lui. Papa le dégain t'enseigner lui. Et puis, Jésus pas voulait prendre un piège foule là. Et puis, Jésus dit foule là comme ça. Pour qui ça n'a pas suivi moi? Pour qui ça n'a pas suivi moi? C'est parce que nous un miracle, nous manger, nous un guérison. Attendez, oui. Nous un guérison. Nous, nous manger pain à poisson, c'est peut-être ça, n'a pas su, moi. En d'autres termes, mais ça, Jésus dit, foule, pas une lucidité spirituelle, pour yo, ouais, option, hein, nan ou même. Au lieu yo, ouais, option à travailler, yo, ouais, ou même. Yo, ouais, l'homme, nan. C'est la chair, yo, ouais, la chair. Maintenant, ou même qui gagne option, hein. Sou pas faire attention, pour pas confondre, popularité à spiritualité ou chiré. Ce qui semble dit par là. Gè trois bagailles toujours confondre en dedans l'église. Popularité, spiritualité, sociabilité. Ou capable sociable ou pas spirituel. Ou capable populaire ou pas spirituel. Ou capable ou pasteur qui sociable. Tout le monde remè ou parce que son pasteur qui nice. Ou son pasteur qui suit talking, ou son pasteur qui ceci, ou très sociable, ou très agréable, ou très serviable, style. Ou qui doit pas spirituel. Ou qui doit pas spirituel. Ou qui doit aussi, un pasteur qui populaire, tout le monde remet, j'en prêché, tout le monde remet, tant de ou, yon parle de ou, tout le monde bat bravo pour ou, parce que ça bon, parce que ça ceci, parce que ça yop, c'est méga church. Problème qui gagne ou gagne doit populaire ou pas spirituel. Ou gagne popularité sans spiritualité. Ou gagne popularité sans spiritualité. Maintenant, ce qui est important, les bons. Tandis, les bons pour t'a gagné tous les trois. Les bons pour t'a à la fois, d'abord, un homme spirituel. Ok? Quand vous êtes un homme spirituel, vous êtes consacré, vous avez l'onction, la présence du Saint-Esprit dans vie, ok? Ou en contact permanence avec Dieu, lui habiter dans vous-même, vous venez tout nom homme spirituel. Deuxièmement, il faut être aussi sociable. Social, c'est-à-dire que, ou son nez qui est très serviable, ou là pour aider monde, parler avec monde bien, de bien, ceci, cela. Ça, c'est bon, ça, c'est un plus. Et puis, puisqu'on fait de bonnes œuvres, ou qu'il y a de bonnes réputations, c'est normal pour popularité augmenter. Mais il y a un piège à éviter. Le piège consiste pour pas faire compromission sur les principes spirituels qui doivent gouverner le comportement de l'homme de Dieu pour popularité, pour tête sociabilité.
Gen des moun ande dans l'église, pasteur a fait compromis avec principes spirituels tant que la vérité, la justice, l'amour, ce sont des principes spirituels que yon homme de Dieu pas doit jamais faire compromis sur yo ande dans l'église. Yon homme de Dieu pas doit jamais faire compromis sur principes spirituels qui a guidé la ville tant que la vérité, tant que l'amour, tant que la justice, tant que la charité, tant que principes ça yo yo doit fondamental dans la vie yon homme de Dieu. Parce que gen des fois ou tellement serviable ou tellement sociable ou fait compromis sur la vérité. Gen des fois ou tellement ou populaire ou tellement populaire moun a marché derrière ou fait compromis sur les principes spirituels ou fait compromis sur la vérité ou fait ou pas qu'a dit vérité encore parce qu'on populaire. Ou perdit vérité parce qu'on perdit popularité. Ou perdit vérité parce qu'on perd ou perd pour moun pas penser mal de ou. Ou perdit la vérité parce qu'on ou perd pour moun pas dire oui, ça a été pensé derrière tel là, c'est pas ça lié. Ou perdit popularité parce que parce que sociable parce que ou perd parler, ou perdit moun yo vérité à venir. Maintenant le problème qui se pose, qu'on a entré dans des démarches de compromission. Et puisqu'on entre dans une dynamique de compromission, gardez qui ça peut arriver. Ou pour commencer perdu en puissance. C'est le déclin assuré de l'homme de Dieu. Ou commencer faire compromission. Depuis où commencer faire compromission, c'est le début du déclin de l'homme de Dieu. Ou après tomber, li quitter phase spirituelle là, li pas en l'air encore, qu'on y a c'est dans sociabilité lié, qu'on y a c'est dans popularité lié, ou après discours commencer changer, ou après discours pas gain sens encore, pas gain portée spirituelle là-dedans, ou après discours en quelque sorte, li plus là à satisfaire les désirs et les passions de la chair, côté que peuple lui et puis l'homme ça, il commence à perdre pouvoir lui, c'est ce qu'on appelle en étoile qui tombait. L'étoile là commençait à tomber. L'homme de Dieu, le pasteur, n'est pas appelé pour être aimé dans le monde et dans l'église. L'homme de Dieu n'est pas appelé pour être aimé dans le monde et dans l'église. Depuis où est, yon remè ou, ou son pasteur, ou son homme de Dieu, ou est moun remè ou, ande dans l'église, yon remè ou, nan moun nan, cherche man de bon Dieu, ki sa de la kawe ki wong. Parce que le monde, pas qu'à recevoir la vérité. Le monde, pas qu'à recevoir la justice. Le monde, pas qu'à recevoir l'amour. Zami, depou wè, le monde remè ou, depou wè son homme de Dieu, le monde remè ou, ou a moun commence popularité remè ou, oh bon pasteur tel, bon pasteur tel, voyons bagay ki wong, nan l'évangile ou a prêché ya, mande mon Dieu pou revisiter l'évangile la pou ou, de quoi pou bayo l'évangile la comme ça, comme cela doit. Parce que le jour où commence prêcher l'évangile, réel Jésus-Christ. Wap l'homme le plus détesté du monde, l'homme le plus détesté aller dans l'église. T'aimerais dire ça me dit encore. Le jour où on commence à prêcher l'évangile réellement, l'évangile réellement, parce que Jésus pas un menteur. Jésus pas un menteur. C'est une raison qui fait dit en dedans l'église ou supposé remé un l'autre. Ça me l'a dit voilà. Moun qui pour remé en dedans l'église, c'est celle moun qui gagne Christ formé dans la vie pour remé. Debout, garde listen carefully ça m'a dit là. Moun qui pour remé en dans l'église, c'est seul monde qui gagne Jésus-Christ dans la vie qui pourrait même en dedans l'église, l'a commencé prêcher l'évangile
Jésus-Christ a réellement parce que moun sa qui gen Christ dans la ville là pour l'évangile ça même l'elle fait le mal mais c'est pour bien. La première on. Moun sa l'esprit de Dieu a dit moun sa où est l'évangile ça? C'est pour bien oui. Même là où elle fait mal, même où elle va demander Jésus, libre gratel, ou pas à l'aise, ou chita sous chaise là, ou pas senti ou bien. Mais l'évangile, ça, l'esprit de diable dit, pareil, monsieur, non? C'est pour où? L'évangile, là, yé, li bon pour où? Li bon pour namou, son médicament, li en mai. L'évangile, ça, en mai. Mais l'évangile, ça, bon pour namou. Mais depuis où est? De où est? Où commencez par l'évangile ça? Si on l'église qui est 100 moun là-dedans, où commencez par l'évangile ça? L'évangile réel, l'évangile Jésus-Christ, l'évangile de vérité. Où est l'église ça? Rété avec tout 100 moun ça yo là. Avec tout 100 moun qui là-dedans là. Ou mettre dit bon Dieu merci louer l'Éternel. Dès pour commencer prêcher l'évangile de repentance, l'évangile Christ réellement pour dire moun yo réellement mais ça l'évangile. Yeah. L'évangile c'est bagay qui pidi qui t'est qu'à exister malgré le douce, malgré ces bonnes nouvelles, mais l'évangile c'est bagay qui pidi qu'il t'est qu'à exister dès pour vivre dans péché, dès pour mener une vie charnelle, l'évangile ça a pas mettre toi ou pas en droit à l'aise à l'évangile ça même. Depuis où l'église a dégagé 100 moun là-dedans, ou fait 2 semaines, ou a prêché l'évangile de repentance, ou fait 2 semaines, ou a prêché l'évangile pour moun changer nom, changer physio d'épaule, ramasser vie, conformez-vous avec la parole de Dieu. Depuis où l'évangile ça, a prêché, où l'église a arrêté à 100 moun, ou mettre béni l'on l'éternel, ou mettre loué non l'éternel. Parce que moun andé dans l'église, y'a pas prêté. Ou pas foutu arrêté à 100 moun andé dans l'église. Zamim ou met kwem dam doulan la, parce que le monde actuel est trop matérialisé. Le monde actuel est sous la domination du malin. Le monde actuel, c'est la convoitise charnelle qui mène. Le monde actuel, ce sont les passions de la chair qui a dominé. Le monde actuel, ce sont les désirs, les convoitises qui a mené. Mon cher, on est dans l'église, sous ou by l'évangile de repentance. Ou est-ce que moun on est dans l'église qui chita, qui rétait? On est dans l'église pour prendre l'évangile, ça, qu'on est mounza ou absorbé, qu'on est ou dans bon l'église, ou mettre de là. Parce qu'on qui ça qui attire moun l'église, on y a, ou qui l'évangile qui kembe moun l'église. L'évangile qui kembe moun l'église, qu'on y a. C'est l'évangile. Quand il a prié pour l'ian, c'est maintenant pas passé ou abjeni. Mais l'évangile qui kembe moun l'église. Travail l'autre a prié. Ou après des prières pour l'ian, semaine n'a pas passé, ou je n'y. Mais l'évangile qui gagne moun l'église. Marie a prié pour l'ian, semaine n'a pas passé, Jésus a baoul. Mais l'évangile qui gagne moun l'église. C'est l'évangile ça yo, moun, la chair besoin tombé. C'est l'évangile ça yo. Les passions de la chair, les désirs de la chair, mais j'entendais. Pour qui raison y aurait les désirs de la chair? Parce que, en réalité, tout le monde qui besoin, bagage ça, c'est le monde qui vive en conformité avec le siècle présent. Tout le monde qui a cherché bagage ça dans l'église, c'est le monde qui vive en conformité avec les siècles de ce monde. Y a un monde qui a une compétition avec elle-même. Oh, Jésus, levez ma terre pour un tel kawé. Jésus pas levé à terre pour moun ouais non. Oh Jésus levé ma terre pour un tel kawé non. Et ça c'est l'évangile mascarade, l'évangile bouisé, l'évangile tripotaille, l'évangile levé pantalette, l'évangile grindé. Yeah, c'est l'évangile ça vinn bay là. Oh Jésus levé ma terre pour moun kawé. Non Jésus t'es dans bouisé avant. Jésus c'est nom, niveau vinn sauver. Jésus pas de voir al boui. Ah oui, Jésus bam diplôme non, li levé figim devant Jésus pas de voir yo vinn levé figi ou devant moun non. Si gardez sous vinn l'église. C'est pour Jésus qui a levé figu ou devant moun ou pas devant l'église. De, ça est l'évangile Limena. Ça est l'évangile Limena qui a une folie blondie, qui
qui gen fon lycée si, qui gen fon lycée là. Aïe, l'évangile que créé. L'évangile ça non. Jésus pas mort, yo, ou pas vin l'église, pour vin, pour Jésus vin lever des filles pour vous. Comment Jésus te vin lever des filles pour vous? T'es jeune homme, lui vin sauver. Jésus, lever des filles à vous, Jésus, ou besoin de faire grand limena. Jésus, grand créateur. Ça, j'ai des yeux charnels. Tout ce qu'on demande là, c'est pour qu'on ouvre le corps sur un voisin, sur une voisine, sur un monde. On nous a supposé par l'évangile, on nous a supposé annoncer l'évangile pour sauver Namni, ou entrer dans la compétition avec elle, pour gagner un bad boudou, pour qu'on montre que c'est gros, c'est simier. Oh oui, Jésus fait le pour moi. Oh mes amis, Jésus fait le pour moi. Oui, Jésus passé avec, Jésus fait le pour moi, Jésus, ouais, je l'évangile lui met na grand pour elle, grand créant dans l'église. L'évangile montre show off, l'évangile pas dans show off. L'évangile Jésus-Christ pas dans show off. Bon, ou j'aime dans l'évangile qu'on dans show off. Bon, peut-être l'évangile ça va prendre bâton. Bon, peut-être l'évangile là même va prendre bâton. C'est peut-être l'évangile là même qui fait la persécution. C'est peut-être l'évangile là même qui fait vie misérable. C'est peut-être l'évangile là même qui fait vie tête en bas. C'est peut-être l'évangile là même à cause de mon nom vous serez persécuté. Quand il y a Jésus fait vous moi Léo, oh oui, Jésus bon marien. Je l'ai dit m'a marié, Jésus bon marié. L'évangile a parlé. Mon fou, l'église tête en bas. Il y a fois où on va à l'église. Il y a on va à l'église. Yo va venir pour les, yo va venir pour nom yo, yo va venir pour entendre l'évangile Jésus-Christ. C'est ça de fait. Gagne l'évangile ou besoin entendre. Parle dans l'église qui gagne foule. M'a banon secret. Gagne l'évangile ou besoin entendre pour nom édifier. Parle dans l'église qui gagne foule. De pour aller dans l'église qui gagne foule. Puis go étonné ou dans des bagages machines, l'évangile prospérité, ou pral riche, ou pral millionnaire, la vous pral changer, car il a pral payer, mortgage je pral ceci, c'est là, ou oui, gen moun nan mit grand assemblé à là, grand moun assemblé à là, qui besoin mari, vini devant, ou même, qui besoin madame, vini devant, ou même, si c'est l'évangile sort, allant l'église masse. Alkoto wè gen foul pote bourré. L'évangile ça, c'est l'évangile prospérité pour satisfaire les désirs charnels, les passions de la chair, show off, grand limena, grand poil, grand ceci, grand cela. Allez dans l'église, débourrivez dans l'église. Mais, sous besoin nanmou, édifier, ou besoin parole pour nanmou. On parole koto lò chitande dans l'église, hein? Ou ap réfléchir, ou ap méditer. Gede l'évangile ou ap tande ou chita, ou glace au fret. Tendez-vous? Ou glace au fret. Tellement l'évangile l'a dit. Ou glace au fret. Ou chita. Debout, on va vous chitander dans l'église devant un homme de Dieu. Qui a parlé. Homme de Dieu a parlé. Ou dans l'église ça. Ou pas fret. Ou pas examiner vie ou. Ou pas sentir que vie ou. Ou pas à l'aise. Ou senti que gon bagay kap agité dans la vie ou senti gon bagay ki wong dans la vie konnen mon cher debout ou pas senti ou kon ça en présence d'un homme de Dieu yon nèg kap prêcher l'évangile konnen ou nan kouri parce que l'évangile son puissance liée l'évangile c'est l'épée de l'esprit la parole de Dieu li là pour séparer zo ak mwèl. L'évangile là pour le séparer, son épée à détruire, lui là pour le séparer, zo, ak mouel. Faut le mettre face à tête ou. Faut le montrer dans qui état, ou fuck up. Faut le montrer dans qui état, vie ou mener pas bon. Faut le montrer dans qui état, la vie ou fuck up. Faut le montrer que dans qui dimension ou y est. C'est ça, pour le carabe nous à la repentance. Maintenant, les ont invité, les pasteurs ça a fait appel. Et pour pasteur a dit, écoutez, mes chers amis, ou même, qui t'a aimé réconcilier, qui t'a aimé receler alliance avec Christ, ou même, qui senti, ok, vie ou a viré tête en bas, ou senti ou pas en harmonie avec Jésus,
ou connaît que vie ou pas en conformité avec Christ. L'église en fait ton âme. Ou invite moun sa yo, vini renouveler alliance avec Christ. Ou invite moun sa yo, vini renouveler alliance avec Jésus Christ. Quel que soit j'en péché à tailler, quel que soit j'en vie ou ta fait noir, quel que soit j'en vous ta tête en bas, quel que soit j'en malade bagaille ou tailler, même l'autre a ouais, ou a bataille à péché là, mais vini, parce que Jésus, vous avez un avocat auprès du Père, qui a intercédé pour vous, qui a parlé papa pour vous, ou pas besoin de paix, ou pas besoin de honte. Et puis, laissez-moi après, vous n'avez dans l'église à plever, petit à petit, grain par grain, y a vini dans honte, parce que faut vous n'avez vini pour le vini avouer péché le bal éternel, faut le vini pour le sentir honte, et pas grand limé dans grand poil, qui a vini demander bien, qui a vini demander richesse, non? Il y a des gens qui sentent vie pas en conformité avec l'éternel, qui sentent vie pas bon, qui sentent bagaille pas mal, pas bon pour eux, parce que vie a mené en pas bon. Moun sa lèl pral vin devant bon Dieu, ou est-ce nan bataille la vini, ou est ville li mare, ou est moun sa gen humilité, parce que l'entrée dans lui-même, l'esprit de Dieu a convaincu du péché, l'esprit de Dieu a dit petit, vini, vin renouveler alliance à l'éternel, vin renoncer à vie péché ça, passer devant, vini nous prier ensemble, le pasteur, l'homme de Dieu, descend de la chair pour joindre avec moun yo devant. Ils jouent avec yo, parce que faut pas sentir pour toi, yo. Faut jouer avec yo, pour yo vini, pour nous dire, pour dire, moun sa yo, yo pas besoin de peur, n'ayez pas peur, parce que vous avez un avocat auprès du Père, qui a intercédé pour vous, ou pas besoin, même les péchés ont été rouges, tant que vous croyez moi, si, Jésus, l'est prêt pour le pardonner, viens à Jésus, et puis tout le monde a vini avec des larmes aux yeux, y a vini soumettre la vie à Dieu, y a vini retourner, bébé, vie à mon Dieu, y a vini reconsacrer la vie à l'éternel, ça t'es senti vio tête en bas, ça t'es senti yo va la vie bien, c'est le moment pour yo casser relation yo à péché, pour yo casser chaîne là, chaîne malédiction yo, chaîne péché là, pour yo vini réconformer la vie yo avec Jésus-Christ. Ou même homme de Dieu ou descend. C'est laisse ça, ou pral tourner homme de Dieu réel parce qu'on pral font prière d'intercession. Dans l'amour, dans la vérité, avec des larmes aux yeux, n'a prié, n'a plaigné, n'a demandé pardon, n'a crié devant l'éternel, désormais. N'a crié, n'a dit oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Le chrétien a humilié lui dans un esprit d'humilité, ou a demandé pardon, ou a crié, ou couché sous ventre, ou a plaigné, pour mon Dieu changer, pour mon débat la vie éternelle. Dès vous arrivez à l'église, ou pas dans de l'évangile Zahio. Ou dans de ces vignes vont briller pour vous riche. Ou dans de ces vignes vont briller pour vous carrer une mari. Et vignes vont pour vous carrer une caille. Pour qu'à bien passer. Si m'de ou même. D'après réfléchi. M'a demandé pour le chercher. Yon l'autre l'église. Dans l'autre assemblée, côté que vous avez un message qui pourra faire mine dans vous. Vous avez un message qui pour satisfaire désir charnel ou, convoitise charnel ou, passion charnel ou, vous avez un message qui pour édifier dans vous, qui pour rapprocher au plus près de Jésus-Christ. Qui pour rapprocher au plus près de Dieu, qui pour faire sembler avec l'Éternel. Ces messages sont besoin. Mes chers amis, il y a un bagage qui fait que balancer dans ce bagage. C'est parce que en tant que chrétien, on doit toujours en permanence combat avec tête pour rester en conformité avec l'Éternel. De pouvoir passer deux jours, ou pas non battre à tête ou pour rester vie ou en conformité à l'Éternel, gon bagay ki on la kayou. Toujours sonder l'esprit ou,
Toujours m'a dit, bon Dieu, éprouve-moi, Seigneur. Et gardez, regarde si je suis sur la bonne voie. Éprouvez-moi. Gardez-moi pour moi, si je suis sur le bon chemin. Papa, gardez pour moi si vim en conformité avec vie ou avec son mandé. Si t'as gon écart dans la vim, que m'ba qu'on aime au courant, tant pri. Permettre avec Saint-Esprit ou, pour le capable éclairer, enseigner, revêtir moi et rapprocher moi à vous-même. Et gros ami qui dit c'est pasteur là, vas-y, capable. Je disais, pasteur la voix, j'ai capuché. Guys, moi quitte nous de dé. Nous conseillons. So, mes chers amis, c'est un plaisir pour me dire avec nous. Moi, j'aime nous en pile. Et je me dépasse visiter nous. Et ça fait quelques temps que je ne vais pas visiter nous. Et je n'ai pas de problème avec personne. Je ne sais pas qui j'aime de rouler avec moi. Moi j'aime nous en pile, bon, et veillez sous nom nous, bon, et veillez sous nom nous, dis nous ça sincèrement, veillez sous nom nous, bon, et pas la guine nom nous comme ça, veillez sous nom nous. Passez bonne journée, moi j'aime nous, et c'est un plaisir d'être avec nous. Kebela, tout beau salio, en pile l'amour ou non, en pile love. Ciao.